Allez, on démarre. Un certain nombre donc de bonsoir à toutes et tous. Un certain nombre donc de procurations. Michel Ballon me donne procuration. Sandrine Giacometti donne procuration à Yannick Payot, Chantal Vautrin à Thierry Bisson, Jérôme Leroux actuellement déployé sur le front de Bois-le-Champ en qualité de sapeur-pompier avec un certain nombre de volontaires de la caserne de Taon, donc donne procuration à Dominique Thomas. Deux conseillers municipaux arriveront en retard et donc en attendant notre procuration. Il s'agit d'Emre Demir qui donne procuration à Françoise Beach, Jérôme Valcézia qui donne procuration à Dominique Marquer. Ils nous rejoindront et récupéreront bien sûr leur pouvoir à ce moment-là. Jean-Pierre Philippe sera en retard ou ne viendra pas. Sa fille vient d'avoir un accident de la route entre Deneuville et Girmont, a priori sans gravité, mais restant à déterminer et à préciser. Voilà, donc avant de partir, vous signerez les éléments liés à l'émargement, liés au procès-verbal de la dernière réunion du conseil municipal, et puis, c'est pas les bavardages qui régleront le problème, hein, et les pièces relatives au compte administratif. Le secrétaire de séance sera Denis Baptiste, s'il l'accepte. Merci. Donc, je reviens rapidement sur le procès-verbal donc, de la séance du 27 avril dernier. Est-ce qu'il y avait des remarques ou des questions par rapport au contenu de ce PV? S'il n'y a pas de remarques, il est adopté. Communiqué. S'agissant des décisions, de la même manière, est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Il n'y en a pas. Les décisions sont communiquées. Première délibération de la soirée, donc désaffectation et déclassement de parcelles. Une petite histoire, hein. Nous sommes donc au niveau de la gare de Taon-les-Vosges et il y a ce chemin que nous avons aménagé jusque Aviwood. Et donc en 2014, la SNCF a vendu des parcelles à la ville. Au fur et à mesure, on souhaite les vendre. C'est des micro-parcelles qui sont en sortie donc, et en fond de parcelles de privés. On souhaite pouvoir les vendre au fur et à mesure aux différents propriétaires pour la raison simple et précise qu'on n'a pas envie de se taper l'entretien et qu'on n'a aucun intérêt à garder ces parcelles. Mais pour ce faire, on a besoin de sortir donc, du domaine public un certain nombre donc, de parcelles. Ce sont les suivantes, la 907, la 908, la 909, la 910, la 911, 12, 13, 15 et 17. Voilà, donc je vous demande si vous en êtes bien d'accord et avec les pièces à l'appui que vous avez eues pour préparer ce conseil, donc de vous prononcer sur la désaffectation du domaine public communal de toutes ces parcelles. Est-ce qu'il y a des questions? Non, je mets ce rapport aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je vous parle cette fois-ci d'une convention de revitalisation d'un bâtiment au centre-ville. Le 103 rue d'Alsace, vous connaissez, c'est l'ancien cabinet des toubibs et du dentiste d'Antomède, appartenant à la SCI d'Antomède. Depuis que la maison de santé a été mise en place, ce n'est pas un scoop, c'était prévisible, il n'y a plus de professionnels de santé donc, dans cet espace, ils sont place Jules Ferry, et ce bâtiment donc, est en partie pour le rez-de-chaussée, hein, qui, au-dessus c'est une autre propriété. Sur le rez-de-chaussée, on est donc sur la propriété de la SCI d'Antomède, qui nous a fait savoir qu'ils étaient potentiellement vendeurs donc, de ce bâtiment. Nous avons rencontré, nous avons fait visiter d'ailleurs ce bâtiment à plusieurs reprises à de potentiels acquéreurs. Ça n'a pas donné suite pour le moment. Et moi, je souhaite vous proposer donc ce soir de nous porter acquéreur de ce bâtiment. Pour une raison précise, ce n'est pas véritablement le bâtiment du devant qui me préoccupe à l'instant, c'est plutôt ce qu'il peut donner sur son arrière. Vous aviez un certain nombre de pièces donc, dans le dossier, notamment tout ce qui est après la fresque jusqu'aux toilettes publiques, qui sont aujourd'hui un élément qui ferme l'espace du centre-ville, qui pourrait, on peut l'imaginer, ça nécessite donc des études, être démoli et ouvrir la perspective du centre-ville sur un espace plus vaste, potentiellement vert, potentiellement accueillant, qui peut être bien sûr totalement en cohérence avec ce que deviendrait le 103 rue de Lorraine bâtiment, avec un arrière à aménager, mais qu'on souhaite, nous, potentiellement, peut-être ouvrir. Et globalement, on ne s'en rend pas compte, mais en boulant cette partie-là, les toilettes publiques, là, et puis cette partie un peu bizarroïde là, de la fresque jusqu'aux toilettes publiques là sur le rond-point, une parcelle qui peut être de l'ordre en volume de la place de la Victoire. Hein. Donc faut se représenter ça. Hein. Bon, encore faut aller sur le terrain pour s'en rendre compte. Hein. Mais donc c'est une opportunité importante. Donc évidemment,
On est toujours en recherche de partenariats pour mener nos opérations, puisque nous ne sommes pas, nous avons des moyens assez limités s'agissant de la commune. Donc j'ai rencontré l'établissement public foncier Grand Est, qui travaille avec nous déjà sur un certain nombre de sujets, pour vous dire donc la chose suivante. Donc il est possible d'acquérir le bien, c'est la ville qui doit payer 100% de l'acquisition. En revanche, s'agissant des travaux et dans le bâtiment, et éventuellement de démantèlement de toute la partie arrière, nous permettant une ouverture et donc un projet d'ouverture du centre-ville, l'EPF Grand Est pourra intervenir à hauteur de 80% des frais pour rétablir un clos couvert, c'est l'expression consacrée de l'EPF GE, un clos couvert disponible pour la ville. On pourrait donc ensuite, nous, vendre la partie bâtimentaire du centre rue d'Alsace, l'avant, pour une activité commerciale éventuelle, et donc récupérer une partie des fonds que nous aurons dépensés pour être propriétaires, et puis sur l'arrière, à voir, est-ce que c'est le propriétaire potentiel qui aménage derrière une terrasse, que sais-je, une aménité nécessaire à son activité, ou une place de centre-ville, ça reste ouvert, on aurait à ce moment-là en rediscuter. Mais c'est une des rares opportunités de densification globalement de notre centre-ville, dans le cadre de ces espaces urbains, et je pense qu'il serait dommage de passer à côté. Étant entendu que dans cette affaire, c'est les travaux qui coûteront le plus cher, hein, c'est pas l'acquisition du bâtiment. Pour tout vous dire, donc, vous aviez une convention dans les pièces jointes à la convocation, notamment sur la page 11 sur 18, mais bon, j'imagine que certains vont l'ouvrir pour la première fois depuis qu'ils ont reçu les pièces. L'acquisition foncière était estimée, estimation des domaines, à 130 000 euros. Négociation menée par ma part auprès donc des propriétaires, potentiel achat 103 000. Voilà. Donc pour défendre les intérêts de la collectivité, bien sûr. Donc les frais notariés descendront un peu et il y a les frais de gestion de l'EPF à 13 500. Qui, bien sûr, sont, eux, inamovibles. Et cette convention pourra évoluer ensuite pour intégrer les travaux. Et si, par exemple, il devait y avoir, je dis n'importe quoi, 500 000 euros de travaux, eh bien, il y a 80% des 500 000 qui seraient pris en charge par l'EPF Grand Est, à une condition, c'est que l'étude de revitalisation du centre-ville que nous sommes en train de faire pour entrer l'année prochaine dans l'opération de revitalisation territoriale détermine que cet endroit est important pour le centre-ville. Alors, si on n'arrive pas à prouver dans l'étude de réutilisation que cet endroit-là il est important pour le centre-ville, c'est qu'on est des vrais quiches, hein, clairement. Hein, donc, il va falloir travailler et bien sûr être vigilant à cela, parce que c'est quand même la condition de l'EPF, qui est mieux connue sur son travail de revitalisation des friches industrielles que sur cet aménageur de centre-bourg, qui l'est pourtant et qui est excellent également sur ce domaine. Voilà, je suis complet. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport? Pas de questions, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je vous demande d'approuver les comptes de gestion. Je vais être très rapide, puisque les comptes de gestion du receveur municipal sont totalement concordants avec le compte administratif de la ville. Encore heureux, on est au mois de juin, on a eu 6 mois pour le faire. Donc ça aurait été un petit peu malheureux qu'on n'ait pas eu le temps d'avoir des comptes concordants. Je vais pas les lire, vous les avez eus. On va refaire le même boulot d'explication, plus clair à mon avis, dans le cadre du compte administratif. Simplement, si on veut véritablement vérifier la concordance des comptes, on prend la page résultat budgétaire de l'exercice pour le budget principal. Et puis, on voit que dans le résultat de l'exercice, il y a un excédent de section d'investissement à 1 567 499,60 et qu'il est de 416 719,41 section de fonctionnement. Donc, évidemment, les derniers comptes sont concordants. Vous imaginez que tous ceux qui remontent avant le sont donc effectivement aussi. Donc voilà, sauf si vous avez des questions sur le compte de gestion que vous avez sans doute lu avec attention, j'essaie d'y répondre, sinon je le mets aux voix. Je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc pour le compte administratif, je vais faire une présentation rapide. Je me retirerai bien sûr pour le vote, c'est Françoise Bitch qui le présentera, si vous en êtes d'accord, puisque je vais vous proposer de les lire pour mener les opérations. Donc le compte administratif, je refais pas le laïus, hein, c'est l'arrêté des comptes à la fin de l'année. Et là, il s'agit de 2022, photographie de ce que nous avons réellement fait en 2022 par rapport à ce qu'on avait prévu
dans le cadre du budget primitif amendé par les différentes décisions modificatives. Bien sûr, je peux assister à la discussion. Ce serait quand même un peu curieux que le maire ne défende pas ses comptes devant le conseil municipal. Donc, je vais vous faire une présentation. Par contre, je vous propose de nommer Françoise Beach pour ensuite mener les opérations de vote. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre cette proposition? Est-ce que quelqu'un veut s'abstenir? Françoise, félicitations. Tu mèneras les débats pour les votes. Donc, on va bien sûr diffuser un PowerPoint qui va vous être adressé et diffusé juste à l'arrière. Il y a des éléments qui ont été bien sûr communiqués. On va parler du compte administratif budget ville, budget forêt, résidence senior et maison de santé. Sur le budget ville, on a un équilibre global donc des comptes à la fin de l'année 2022 qui consacre en fonctionnement 9 194 000 un peu plus de recettes, 8 777 000 euros de dépenses, qui donne l'excédent de 416 719,41 dont on vient de parler dans le compte de gestion. On a les résultats de 2021 à agglomérer à cela, plus la dissolution du syndicat scolaire qui amène la somme colossale de 1 400 euros. Et on a un résultat donc cumulé de fonctionnement excédentaire de 485 000. En investissement, 3 269 000 euros et quelques de dépenses, 4 837 000 euros de recettes. On a fait un emprunt supérieur à nos besoins, j'y reviendrai, et donc un excédent d'1 567 000 euros. On prend les résultats de 2021, qui étaient également, là cette fois-ci, déficitaires, la dissolution du syndicat scolaire. On a un résultat cumulé d'1 151 000 et quelques sur le compte administratif en investissement. Donc, on a un solde positif global de 2022 qui est d'1 984 200 euros. Et quand on reprend les résultats de 2021 que je viens d'expliciter et qu'on les agrège, on est à un résultat excédentaire de clôture d'1 636 000 et quelques euros. Voilà, donc je pense qu'il y a... voilà, on peut passer peut-être sur la slide d'après. Je voulais quand même insister sur le fait qu'on a une épargne budgétaire qui s'est quand même, et je vous avais prévenu, hein, il n'y a pas de surprise, il y a un résultat, une épargne qui est moins bonne en 2022 qu'en 2021, pour un certain nombre de raisons sur lesquelles nous reviendrons très rapidement. Une baisse d'épargne de l'ordre de 35%, c'est un affaissement notoire de nos moyens pour agir. Et c'est dans ce contexte-là qu'on avait notamment décidé d'augmenter la taxe foncière sur les propriétés bâties à partir de 2023. Si on continue, donc on a cette vue globale sur les différents chapitres budgétaires. Je vous proposais d'aller assez vite en la circonstance. Vous voyez qu'on a des taux de consommation des crédits qui sont très important, effectivement, en recettes notamment de fonctionnement et en dépenses de fonctionnement aussi. Ça veut dire qu'on arrive à peu près à bien calibrer nos inscriptions dès le budget, tant en recettes qu'en dépenses. Si ensuite on va sur l'investissement, les dépenses réelles de fonctionnement, on va les prendre derrière quand même dans un certain nombre de détails. Voilà, vous avez toujours, comme d'habitude, à peu près la moitié des dépenses de fonctionnement qui sont des dépenses donc de personnel qui ont augmenté de manière assez significative en 2022 en raison notamment de l'augmentation de l'indice. Le traitement indiciaire, l'indice a augmenté de 3,5% et ça a donc entraîné une augmentation des dépenses. Et puis, il y a eu aussi un certain nombre de recrutements, mais en même temps, il y a eu un certain nombre de départs, donc ça reste une augmentation contenu. Ce qui est plus gênant, c'est l'augmentation des charges à caractère général, puisque celles-ci ont augmenté notoirement, et notamment pour une raison qu'il faut expliciter ici, c'est que nous avons décidé de remettre d'équerre la gestion comptable. Hein, je vous l'avais dit lors de la préparation du budget, il s'avère que nous avions notamment un décalage dans le paiement des factures. Et donc, on a remis cela d'équerre, mais on a payé, par exemple, 15 mois de gaz et à peu près 14 mois d'électricité en 2022. Ça a donc artificiellement, d'une certaine manière, augmenté les dépenses de la collectivité. Mais maintenant, c'est une volonté. Toutes les dépenses de l'année 2022, voilà, 2023, doivent être payées sur 2023. Et pas avoir un coup, on paye février-mars sur telle et telle année en fonction de la disponibilité budgétaire. C'était une errance de gestion
à laquelle on remédie et qui n'était pas très glorieuse par rapport à la sincérité comptable demandée notamment par la Chambre régionale des comptes. Donc on a plus de 3 millions d'euros de charges à caractère général. Il y a aussi un début d'augmentation des frais de gaz qu'on a dû aussi encaisser. Sur les autres charges de gestion courante, elles sont à 787 000 euros. On avait fait le choix de maintenir notamment les subventions aux associations, c'est une évidence, les charges financières à 120 000 euros à peu près, et des opérations d'ordre pour 1 million. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur les dépenses réelles de fonctionnement, sur les recettes réelles. Je vous propose de passer très vite sur cette slide parce que, comme d'habitude, les impôts et taxes, ce n'est pas du tout des impôts et taxes. C'est une codification comptable, donc on est tenu de la tenir, bien entendu. Mais à l'intérieur de ça, nous, on décide que pour environ 2 millions d'euros, c'est la taxe foncière sur les propriétés bâties. Tout le reste, ce sont des recettes que nous ne décidons pas, qui sont totalement subies. Donc c'est sur 5,4 millions, c'est 2 millions choisis à peu près, un peu moins d'ailleurs. Donc vous voyez à quel point on peut avoir une forme d'hypocrisie dans les présentations, pour laisser croire qu'on décide de tout un tas de choses, ce qui n'est pas le cas. Donc sur les autres recettes, on peut quand même montrer et démontrer que les produits des services à 460 000 euros augmentent quand même de manière assez substantielle. De deux tiers, c'est la fin du Covid et donc des recettes plus ou moins normales qui commencent à être enregistrées. Sur les dotations et participations de l'État, notons qu'elles ont augmenté quand même de 3%. C'est pas mal, même si c'est pas l'inflation, à 2,5 millions. Et puis, quelques produits exceptionnels en baisse, des opérations d'autres sections qui font la différence. Dans les produits exceptionnels, quand même, pour vous donner dans les 380 000 une lecture un peu plus précise, il y a des ventes de terrain pour à peu près 300 000 euros, des remboursements de sinistres pour 7 000 euros, des annulations de mandat pour 82 000 euros. Et on a fait à peu près un tour exhaustif. On peut passer sur la section d'investissement, peut-être, c'est bon. Oui, donc on a en dépenses, vous voyez donc des travaux pour 2 200 000 euros à peu près. C'est en baisse par rapport à l'année dernière. On a des emprunts et des dettes qu'on a fait et qu'il faut donc rembourser pour un peu plus de 500 000 euros. On a des immobilisations corporelles, des études notamment, 8 000 et quelques euros en investissement, et des opérations patrimoniales, des opérations d'ordre autre section, qui font la différence. Vous donnez peut-être lecture des recettes rapidement également sur ce chapitre de l'investissement, section d'investissement, pardon. Donc des subventions d'investissement à un niveau pas très élevé, 54 000 euros. La plupart des recettes d'investissement sont perçues en 2023 compte tenu de l'avancée des opérations. On a fait 2 millions d'euros d'emprunt. Je rappelle que les taux d'intérêt aujourd'hui sont plutôt au-delà de 3%, voire 3,5%, et on avait décidé, sentant par expérience la volatilité des marchés, j'avais donc décidé de faire des emprunts à hauteur de 2 millions d'euros sur le budget principal à 0,65 et 0,75, et 1 million d'euros sur le budget de la maison de santé pour 0,65. Autant dire que c'est de l'argent bien investi finalement, et que ça fait une trésorerie très peu chère, compte tenu des circonstances, on a donc bien fait. 899 000 euros d'excédents capitalisés des années précédentes, des dotations et fonds divers, notamment le FCTVA pour 374 000 euros, des opérations d'ordre entre sections qui s'équilibrent de section à section pour un peu plus d'un million d'euros, et les opérations patrimoniales pour 371 000 euros. Peut-être un détail sur les opérations d'investissement. Voilà. Nous avons notamment les terrains de tennis qui nous ont coûté quand même intéressant de vous donner quelques éléments concrets, parce que pour l'instant, les écritures comptables, c'est un peu abstrait. Mais les terrains de tennis pour presque 200 000 euros. On a la route d'Oncourt qui nous a coûté 319 000 euros. L'entrée de Porret-Plage, c'est juste l'esplanade d'entrée, pour un peu plus de 80 000 euros. La route de Domèvre sur 1100 mètres pour 118 500 euros. Le parking de la gare est une partie de route pour aller chez Avywood, 118 000. Illumination de Noël, parc, c'est dans les parcs de la Rotonde, mais aussi le fait de ne plus avoir du violet, du jaune, du vieux et du rouge qui se trimballe à droite à gauche, le tour passé en bleu et blanc, 83 000 euros. La vidéoprotection, 72 000 euros. Et puis, ce n'est pas fini. Il faut qu'on remette à niveau tout ce bazar. C'était un bordel sans nom.
des trucs branchés sur les poteaux électriques, des trucs en panne, enfin une vraie, on change d'opérateur, hein, c'était pas du tout convenable. Le foyer des mutilés, donc c'est la façade, 65 000 euros. Des voiries sur Girmont et notamment la rue des Fleurs, hein, principalement, la rue de la Cour, pardon, pour 224 000 euros. Je l'ai dit, 524 000 euros donc, d'opérations de remboursement de la dette et puis des opérations d'amortissement. Voilà ce qu'on peut dire donc, sur le compte administratif, sur les, peut-être les. Est-ce qu'on a donné un détail sur les recettes d'investissement, peut-être? Oui, on peut juste les rebalayer pour les mettre en perspective. Vous voyez donc que comme on finit avec un excédent d'à peu près 1 500 000 euros en 2022 sur la partie d'investissement, on pourrait dire, mais ce compte mère, il a fait 1 500 000 de prêts de trop. Mais il faut peut-être réfléchir un peu en se disant que si on faisait les emprunts cette année, en disant on aurait fini ric-rac l'année dernière, et on faisait les emprunts cette année sur les opérations, parce qu'on continue à dépenser de l'argent, hein, on fait des travaux, et bien on ferait les prêts à 3,5. Hein. C'est-à-dire environ 8 fois le coût en intérêt que ce que ça nous coûte vraiment pour 15 ans. 15 ans. Voilà, il faut mettre en perspective. Hein, hein, je le fais parce que parfois, on peut être un peu surpris des raisonnements économiques et budgétaires en ce bas monde. Voilà ce que je voulais donc dire. On peut passer peut-être rapidement, je ne mets pas ces rapports au voix, hein, puisqu'on ne peut pas exécuter les dépenses et les recettes et les mettre au vote, hein, c'est un principe souverain. Peut-être passer sur les budgets annexes. Hein, voilà, parce que l'ADM, on la verra peut-être juste ensuite. Sur les budgets annexes au niveau des comptes administratifs, on peut donc effectivement donc passer sur, tu as donc là, on les passe vraiment rapidement parce que c'est pas, y a pas des événements très importants à relever. Sur la forêt, donc vous voyez qu'on finit à 140 000 euros à peu près en excédent de fonctionnement et on a un déficit d'investissement de 24 000 euros. Donc on propose de couvrir en DM après, bien sûr, le déficit, mais surtout de remonter 100 000 euros dans le budget principal, puisqu'il y a effectivement un excédent qu'on peut se permettre de remonter. Sur la résidence senior, 9 000 euros de déficit en fonctionnement. On a décidé de ne pas louer tant qu'on n'avait pas la solution et d'avoir un repreneur. Donc sur le bâtiment, donc ça va se régler dans les prochaines semaines, et tant mieux, mais il faudra quand même couvrir en décision modificative ce déficit. Et puis, 39 000 euros de déficit en section d'investissement, c'est pareil, avec la vente, ça sera largement couvert. Et puis, sur la maison de santé, bah c'est très simple, à peu près 5 000 euros de déficit de fonctionnement, qui sera largement et facilement couvert, et puis 287 000 euros de mémoire, donc à peu près en section d'investissement, mais avec les subventions perçues en 2023, ça sera largement couvert dans le cadre de la décision modificative. Donc voilà, s'agissant donc des différents comptes administratifs, j'ai volontairement été très rapide, mais si vous voulez des précisions, je vous les donnerai, bien entendu. Peut-être que vous avez lu le détail des différents comptes hein, également, hein, dans le cadre de cette maquette budgétaire M14, qui va d'ailleurs bientôt changer, où vous avez l'intégralité des inscriptions comptables, poste par poste, sur lesquelles parfois on a des questions. Je me souviens à l'époque, au conseil municipal, on dit « mais pourquoi ça augmente là de 1000 à 1500 ?» Bon, ben voilà, si vous avez des questions là-dessus, on pourra toujours essayer d'y répondre. Moi, j'ai vraiment voulu vous donner, là, si vous voulez, une vision très globale, très transversale, étant entendu qu'on en a déjà largement parlé dans le cadre de la construction budgétaire, puisqu'on avait quand même anticipé ce qu'allait donner le compte administratif 2022, même s'il n'était pas arrêté à l'euro près. Hein. Mais on ne s'est pas trop trompé. Et on a pris en compte dans notre budget 23 et plus encore dans la prospective budgétaire 23, 24, 25 les résultats anticipés de 2022 qui sont effectivement très largement fidèles à ce que nous avions anticipé. Donc il y a maintenant de cela 3-4 mois. Avez-vous des questions ou des remarques? Donc si vous n'avez pas de questions et de remarques, moi je me retire et donc je vais demander à Françoise de prendre en charge la suite des opérations. Merci.
Merci, monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. Suite à la présentation de l'ensemble des comptes administratifs par monsieur le maire, je soumets aux voix le compte administratif 2022 du budget ville. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je soumets aux voix le compte administratif 2022 du budget forêt. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je soumets aux voix le compte administratif 2022 du budget résidence senior. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je soumets aux voix le compte administratif 2022 du budget maison de santé. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Monsieur le maire. Monsieur le maire, vous pouvez à nouveau présider la séance. Le conseil municipal a donné quitus de votre gestion en approuvant l'ensemble des comptes administratifs de la collectivité présentée. Merci. On a encore un certain nombre de progrès à faire dans la réalisation des dépenses, notamment d'investissement. Hein. Vous l'avez vu, hein, j'ai oublié de vous le dire, mais ça pourrait remettre en cause votre vote éventuellement. On peut toujours remettre tout ça aux voix, mais sur les dépenses d'investissement, on est, quand on comptabilise les restes à réaliser, ce qui est quand même déjà un peu douteux en soi, parce qu'un reste à réaliser est quelque chose de non réalisé. Hein, c'est juste une inscription budgétaire qui mute, qui migre d'un exercice à l'autre. On est à 56%, c'est peu. C'est peu et ça s'explique sur un certain nombre de choses que nous devons mieux appréhender. D'ailleurs, depuis quelques semaines, j'ai d'une certaine manière un peu modifié la manière dont on pilote les opérations en interne pour m'assurer plus encore de la bonne exécution des décisions que nous prenons et des budgets que nous votons. Voilà, ça me semble indispensable hein, que le compte administratif soit le plus proche possible de ce que nous votons. C'est une exigence qui n'est pas encore totalement, je dirais, au rendez-vous de mes attentes et, je pense, des attentes du Conseil municipal. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci pour ce vote qui était unanime, c'est ça ? Bon, bah, tant mieux, merci. Voilà, donc sur les affectations des résultats et les décisions modificatives, désormais... sur les résultats, donc vous l'avez entendu, il y avait un excédent de fonctionnement donc d'un montant de 416 000, un excédent d'investissement d'1 567 000, ce qui fait presque 2 millions en tout. Hein. Et ensuite, on a également donc, une affectation au budget forêt. Hein. Pour la section de fonctionnement, on doit prendre en compte l'excédent de fonctionnement cumulé des exercices précédents, qui était de 66 000. Et affecter donc la somme de 483 690 euros au budget 2023. Et pour l'investissement, nous devons prendre en compte le déficit cumulé des exercices précédents également, moins 416 000, et ainsi affecter au budget 2023 la somme d'1 151 311,48. Et là, on a enfin les écritures donc cumulées qui se mettent en place. Je vous ai parlé des restes à réaliser, ils sont de 485 977 euros, Il s'intègre également à notre comptabilité. Donc ces sommes sont affectées, je vous propose de les affecter de la manière suivante. 1 151 311,48 in fine reportés au compte 001 en excédent d'investissement reporté, et puis l'excédent de fonctionnement reporté en recette de fonctionnement pour 486 690 euros, nous l'avons déjà dit. Également, on intègre effectivement le résultat final du syndicat scolaire qui était proratisé en fonction des communes qui étaient autrefois adhérentes. Il y avait 266,28 en investissement et 1 429,30 en excédent de fonctionnement. Voilà, donc maintenant, je précise parce que j'ai vu arriver qu'Emre Demir donc, nous a rejoint, donc retrouve sa capacité bien sûr à voter hein, et la délibération, la procuration qui était en place saute bien évidemment. Donc sur les décisions modificatives, donc 100 000 euros proposés donc, de reversement en recette du budget général en provenance du budget forêt compte tenu de son excédent 2022, 100 000.
propose également d'inscrire 10 400 euros donc, en investissement pour des panneaux de communication. Vous voyez le long de la voie 57, la RN57, on a plusieurs panneaux où on indique que X entreprises se sont installées. Bon, c'est quand même largement désuet. On indique également qu'on est la capitale du boyau cellulosique et on met la rotonde avec un bac de géranium en dessous. Enfin, tout ça est quand même délicieusement désuet, il faut le changer. Et on décide donc d'une communication un peu plus percutante pour améliorer l'attractivité de la commune. Donc je vous propose d'inscrire 10 400 euros pour que ces panneaux puissent être mis en place et nous aident à une meilleure visibilité. Il s'agit également d'essayer, quand il pleuvra de nouveau, de récupérer donc des eaux de pluie au niveau donc du local des avios pour que nous soyons un peu plus autonomes. Ça nous donnerait une capacité d'à peu près 3 semaines, si la réserve est pleine, 100 mètres cubes. Ça nous donne 3 semaines d'autonomie en arrosage sur la ville. Proposer donc d'inscrire 5 200 euros et je crois que malheureusement on en aura besoin. Des sessions à l'euro symbolique, donc c'est une session rue des Avieux à Vaugelis pour l'euro symbolique qui a été décidée en 2022. Donc pour pouvoir passer les écritures comptables, on a besoin donc d'inscrire 65 euros pour passer une écriture à l'euro symbolique. Vous voyez encore les turpitudes comptables. En investissement, dépense 65 euros, investissement recette 65 euros. Et cession à l'euro symbolique, 1 euro inscrit en fonctionnement. Sur des travaux de voirie, on a besoin de faire un certain nombre de modifications pour porter nos opérations. Rue des Fleurs, les opérations vont commencer très prochainement, 1000 euros de plus. On passe de 100 000 à 101 000 pour cette petite rue quand vous entrez dans Girmont à gauche. Rue de la Moxate, on avait mis 120 000, on le savait un peu d'avance, mais c'était largement supérieur aux besoins réels, donc 70 000 euros de retranché pour une opération qui coûtera environ 50 000. Sur les travaux d'entretien de voirie, on avait prévu 150 000 euros en fonctionnement. Dans ces 150 000 euros, on avait notamment identifié des opérations qu'on peut enlever du fonctionnement pour les mettre en investissement, compte tenu de leur contribution à la structure de chaussée. Il y a vraiment une circulaire de 2003 sur la gestion des voiries qui est compliquée, et il faut vraiment être très attentif pour être en mesure d'inscrire des opérations en investissement. S'agissant du rond-point Auguste Decker, on interviendra de manière tellement profonde qu'on propose une inscription en investissement. C'est mieux. Donc 25 000 euros. Et puis la rue du Noyeux, hein, qui a une structure de chaussée qui est devenue défoncée, hein, faut le dire. Donc là, on a besoin pour faire 420 mètres linéaires de 84 000 euros pour réaliser l'opération. Hein. On enlève l'enrobé, on reprépare la surface, on repasse une couche d'enrobé. C'est vraiment des opérations assez importante et à des tarifs qui sont quand même de 40 euros le mètre carré aujourd'hui pour les enrobés, c'est pas donné. Voilà, donc sur la rue des Pinsons, cette fois-ci, pour terminer et compléter les inscriptions budgétaires, on a besoin de 22 300 euros supplémentaires. Mais c'est l'inscription budgétaire qui était un peu courte, hein. Il n'y a pas eu de surprise hein, dans les opérations finales. Sur la rue de Noromont, alors vous ne vous situez peut-être pas, hein, la rue de Noromont, rue Clébert, on monte, on passe devant chez Dénommé, et on continue comme si on est retourné sur la zone Innova 3000. Et donc là, il y a un investisseur qui a réalisé des opérations, et on a besoin de faire une extension de voirie, une prolongation de voirie. Et notamment pour faire ce travail, eh bien, le réseau fibre doit être étendu, et quand le réseau fibre doit être étendu dans ces conditions, c'est le maître d'ouvrage public, nous-mêmes, qui doit prévoir les sommes, donc c'est 10 000 euros. Étant entendu que la Com d'Aglo également aussi doit mettre la main à la poche pour amener les réseaux jusqu'à ses propriétés. La taxe d'aménagement à reverser à la communauté d'agglomération d'Épinal, maintenant qu'on a arrêté les comptes, on sait qu'on a perçu environ 40 000 euros sur la zone Innova 3000 l'année dernière, et on a décidé de reverser donc la taxe d'aménagement sur les zones à l'agglo pour qu'elles puissent porter les opérations d'investissement dans les zones, que ce soit pour les routes, que ce soit pour les réseaux, etc. Donc là, c'est 40 000 euros de taxe d'aménagement qui est comptabilisée en section d'investissement.
Du matériel informatique, on a besoin d'acquérir un nouveau pare-feu pour la collectivité pour 10 000 euros. Il est fort possible que je revienne vers vous puisqu'on a mis en place un audit informatique qui rend des conclusions au vitriol. La ville doit assurer une meilleure sécurité de son infrastructure informatique. J'ai d'ailleurs pris attache de la ville d'Épinal qui travaille en quelque sorte parfois pour d'autres collectivités. Peut-être que la communauté d'agglomération d'Épinal va se structurer autour de ces enjeux informatiques. On est en caleçon, hein, à vrai dire, ici, et ça ne peut pas durer. Et je n'envisage pas de recruter quelqu'un à temps plein pour faire ce travail-là. La collectivité, ça n'a pas de sens. Donc 10 000 euros, là, pour un pare-feu hein, seulement. Le PAV, c'est le plan d'accessibilité aux espaces publics. Donc on a adopté en 2022 un programme. Alors c'est bien beau de valider des schémas, il faut les réaliser concrètement et nous y sommes attentifs. On a prévu 50 000 euros en 2023. On propose de mettre 10 000 euros de plus pour mettre en place un certain nombre d'opérations qui permettent une meilleure accessibilité de l'espace public pour tous les types de handicap. Il y a 5 familles d'handicap, j'y reviens pas. Mais il faut qu'on avance, on est un peu en retard sur ces sujets. Ça fera donc 60 000 euros en tout. En 2023. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en régie. Nos services techniques sont missionnés également pour mettre en place un programme en 2023, 2024 et années suivantes pour des menus aménagements que nous pouvons faire nous-mêmes. S'agissant des travaux du CCAS, hein, je le rappelle, mutation, transfert de l'hôtel de ville vers l'espace Jules Ferry. Alors là, on pense pouvoir dépenser un peu plus vite que prévu. Des travaux qui étaient estimés à 300 000 euros, qui seront un peu supérieurs à ça, vraisemblablement, consultation des entreprises en cours. Au vu des plannings de travaux, on peut peut-être imaginer dépenser 200 000 en 2023. Sur les mobilités douces, de la même manière, on a adopté un schéma. Ce n'est pas la peine également de faire des beaux schémas et de les ranger dans des tiroirs, il faut les mettre en œuvre. Donc nous avons proposé 100 000 euros par an. Mais on a une logique de parcours, donc là on a imaginé faire quasiment tout Giremont, le pont, avenue Les Derlins, rue Pierre de Coubertin, passe de la Rotonde, avenue Pasteur, et puis on repasse devant la gare, et puis on repart vers l'avenue de l'Europe par la rue Rouge-Poirier, et puis on redescend ensuite, bon, voie d'Ilay, on ne va pas faire grand-chose, parce qu'il faudra bientôt de très gros travaux à la voie d'Ilay, mais aussi on descend la rue Kléber, donc ça fait un sacré tracé. On ne met pas de la peinture hein, qui s'en va au bout de 6 semaines, on met de la résine. Hein. Donc c'est des trucs qui tiennent 8 ans en fonction de, bah, des usages des flux qui peuvent passer dessus. Donc là, c'est 120 000 euros. Il y a pas mal de CVCB qu'on va mettre en place, hein, donc ça risque de miauler dans les chaumières hein, parce que c'est une modification profonde hein, de l'usage de la route. CVCB, je le rappelle, hein, c'est une seule voie de circulation. Donc quand on se croise et qu'il n'y a pas de vélo, bah, il n'y a pas de souci, on peut déborder sur les voies cyclables. Mais s'il y a un vélo, ben, la bagnole doit s'arrêter, ralentir, suivre le rythme du vélo, laisser passer la personne qui était en face et puis repartir sur la voie centrale. C'est sans doute la meilleure manière de ralentir la circulation à moindre frais. Et en tous les cas, c'est surtout une volonté de mettre les vélos en sécurité. Parce que c'est bien beau de dire les vélos, il n'y a personne fait du vélo à temps, déjà c'est pas vrai, on en voit de plus en plus, mais si on les met pas en sécurité, il est évident qu'ils n'auront pas envie d'aller sur les réseaux, j'enfonce une porte ouverte. Donc on fait 120 000 euros de travaux, et ils vont démarrer d'ailleurs dès cette semaine, à Giremont, de manière très ostensible. Voilà. Ensuite, pour équilibrer donc le budget d'investissement, puisque nous avons un suréquilibre, vous l'avez compris, et il y a une bonne partie d'ailleurs de cet excédent qui va nous servir à financer les travaux en 2024-25 dans le cadre de la prospective. Mais en investissement, on peut mettre 47 000 euros en dépenses imprévues, on ne sait jamais. Et surtout, je vous propose de baisser donc l'emprunt budgétaire qui était prévu à 1 million d'euros, de le retrancher de 350 000 euros. Cet argent-là pourra nous servir en cours d'année, si on a des opérations qui se débloquent, mais peut-être et encore davantage en 24 et 25, là où on va avoir des rythmes de dépenses qui vont être beaucoup plus importants, notamment quand on va réaliser l'école de Bouxières, pour ne citer que cet exemple, ou l'extension du CCAS,
et quand on va avoir à gérer en rythme de croisière le transfert du CCAS, le centre social, etc. Enfin, j'en passe et des meilleurs. Voilà, on peut inscrire, si vous le voulez bien, donc l'acquisition d'un fauteuil roulant pour un agent qui sera bien sûr remboursé par le FIPHFP, on a bien du mal à le dire. Donc il faut que la commune soit par contre intermédiaire et fasse les avances. C'est pour améliorer un poste de travail. S'agissant cette fois-ci des masters de pétanque, on les avait inscrits sur une mauvaise ligne budgétaire et ce n'est pas dans le bon chapitre. Donc il faut faire moins 59 000 d'un côté, 400, plus 59 400 de l'autre. Il faut également enregistrer 1 300 euros pour rembourser des dégrèvements sur la taxe d'habitation sur les logements vacants indûment perçus par la commune. Sur la participation au budget résidence senior, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un déficit en 2022. Il faut le combler en 2023 avec une inscription de presque 10 000 euros. Je vous propose une inscription nouvelle sur l'entretien des bâtiments. On a les vitres intérieures et extérieures sur l'auditorium de l'Arche Bernadette qui sont dans un état pas glorieux. Hein, vous levez la tête, il y a des mousses, des choses comme ça. Maintenant, on est propriétaire, donc on ne peut plus dire c'est la SEBL ou je ne sais pas qui, hein, c'est nous. Hein, donc, je vous propose d'inscrire 8 000 euros parce qu'à l'époque, l'architecte s'est fait plaisir, mais celui qui va laver les vitres, il faut qu'il y aille avec une corde en rappel. Enfin, je vous fais pas un dessin, hein, c'est des sommes colossales. Hein, donc, voilà. Donc, je vous propose de l'inscrire en DM et puis de vous le dire très clairement. Sur les animations, il y a eu une erreur comptable en 2022. Le concert des années 80, tout le monde était content, tout le monde a bien dansé et chanté, et on a émis un titre et on s'est trompé sur la somme. C'est une mauvaise lecture du contrat. Et donc, globalement, il faut écraser une partie de l'opération pour 8 000 euros. Alors, pour être clair, ça nous a quand même permis de faire du Patrick Hernandez, du début de soirée, et puis il y avait l'autre, qui globalement nous a coûté en tout et pour tout que 5 400 euros. Hein, donc ça reste un excellent montage pour faire des spectacles de qualité. Hein. Donc voilà sur donc une annulation de titre qui est une dépense à inscrire. Ensuite, je vous propose que donc, le 15 novembre prochain, on puisse organiser donc, un autre concert avec Émile et Images. Je sais qu'il y a des fans à Thaon-les-Vosges, ils seront sans doute contents. Et de la même manière, donc, il faut prévoir une dépense de l'ordre de 8 000 euros. Et on estime on estime pouvoir remplir hein, la rotonde et que le coût final sera, comme pour les années 80 l'année dernière, de l'ordre de 5 000 euros. Aujourd'hui, il faut savoir que quand vous achetez un concert d'Émile et Images, des années 80, c'est de l'ordre de 15 000 euros. Donc là, on monte des projets dans lesquels nous, on met 8 000 euros pour avoir un modèle qui tient la route, un modèle économique qui tient la route, mais on participe aux recettes. Alors, si c'est vide, qu'il n'y a pas un chat, ça nous coûte 8 000. Si c'est plein, ça nous coûte 5 000. Voilà, donc c'est quand même pas trop mal. Étant entendu qu'il ne faut pas non plus mettre de côté qu'il n'y a pas de réservation de salle pour l'occupant, puisque c'est nous l'organisateur. Donc c'est aussi quelque chose que nous mettons dans la balance. Voilà, donc vous voyez que nous avons donc des dépenses imprévues qu'on peut doter en fonctionnement de 549 000 euros. C'est beaucoup. Cet argent-là va nous servir notamment, là aussi, dans le cadre de notre perspective budgétaire, à partir de 2024. Et ça, on l'avait pris en compte dès la construction du budget et de la prospective. Voilà ce que je peux vous dire sur la décision modificative du budget principal. Peut-être avant d'aller sur les autres budgets, est-ce que vous avez des questions ou des remarques sur ces propositions ? Je continue, si des questions vous viennent, n'hésitez pas. Sur le budget forêt, donc le compte administratif 2022 présentait donc un excédent de fonctionnement de 128 000 et quelques, un déficit d'investissement donc de 24 000. Donc s'agissant donc des affectations, on prend en compte l'excédent cumulé des exercices précédents, donc 12 000, qu'on affecte au budget 2023. Ça fait donc 141 000 euros en tout, donc d'excédent de fonctionnement. Et puis, en investissement, je vous l'ai déjà dit, 35 000 que nous avions donc d'excédent, 11 000, 24 000 en 2022 de déficit, 35 000 d'excédent cumulé, ça fait 11 000 in fine, donc d'excédent. Donc il y a 100, c'est dans ce cadre-là qu'on propose donc de remonter 100 000 euros donc, en reversement d'excédent
au budget principal, et puis de laisser 41 000 euros sur le budget de la forêt pour en prévoir son meilleur entretien. Je l'ai dit en commission des finances, je le redis ici, je n'ai pas été du tout satisfait de la manière dont les affouages ont été gérés en 2022. C'est pas possible de faire des affouages aussi tardifs. Les lots ont été attribués très tard, le bûcheron est intervenu trop tard. C'est un problème de bûcheron, il faudra essayer d'en changer, quoi, je veux dire, à un moment donné. C'est pas possible de faire les affouages à cette période de l'année. On a remis les lots il y a 2 mois, quoi. Ça doit se faire au moins 6-8 mois avant, quoi. Donc là, moi, j'y serai particulièrement attentif en 2023. Voilà ce que je voulais dire sur le budget forêt. Excusez-moi de la digression, ça n'a rien à voir avec les comptes, mais ça fait partie quand même de la gestion de la forêt. Et donc, on propose de mettre en investissement donc 11 255,69 € disponibles pour d'éventuels travaux, cette fois-ci en investissement. Sur le budget résidence senior, donc je reviens pas, on les a déjà décrits 50 fois, les opérations. Donc sur l'affectation au budget 2023, donc on prend en compte le déficit cumulé de 3 500 et est affecté au budget 2023, donc la somme de moins 9 965 qui aurait été compensée par le budget principal. Pour l'investissement, donc 39 715,89 €. Donc de déficit qu'on affecte aussi au budget 2023, il sera largement compensé par la vente de la résidence senior. J'ai déjà dit, mais il fallait que je vous fasse approuver de manière officielle, donc le déficit de 39 715,89 €, qui sera couvert, et le déficit en fonctionnement de 9 965,71 €, couvert par le budget principal et qu'on doit entériner de manière officiel au compte 7 552. Sur le budget maison de santé, donc le compte administratif, là aussi, présentait donc un déficit d'investissement de 347 000, un déficit de fonctionnement de 5 508,04 €. Pour l'affectation donc au budget 2023, on avait un déficit total de 287 000 en investissement. Mais en 2023, on va avoir à peu près 900 000 euros qu'on avait de reste à réaliser pour les travaux qu'on a fait sur la maison de santé avant d'inaugurer et après de l'avoir inauguré, et 1,2 million à peu près de recettes à encaisser. Donc ce déficit de 287 000 sera largement compensé. Et puis, bon, la section de fonctionnement, les 5 508 euros, on n'est pas très inquiet, effectivement, pour être en mesure donc de les prendre en charge, avec notamment les loyers que nous allons recevoir à partir donc de 2023. Voilà, pour un donné en recette au niveau du budget donc de la maison de santé, un détail des subventions à recevoir, il y a notamment la subvention plan de relance de l'État, il reste 514 000 à recevoir, 157 000 de la région, c'était une recette globale de 225 000 euros, je le rappelle. La subvention du département qui reste intégralement à recouvrir, une fortune, 66 000 euros sur une dépense de 2 millions. Et puis d'autres subventions pour 503 000 euros, c'est notamment les subventions de l'Europe qui s'imputent sur le compte 13-18. Et puis des revenus d'immeubles, puisque je vous l'ai dit, c'est les loyers qu'on doit recevoir. On va toucher du bois, on espère avoir une bonne nouvelle sur une installation d'ailleurs dans quelques mois d'un médecin, mais on savoura le champagne une fois qu'il aura posé ses valises. Voilà, sur les différentes décisions modificatives que je vous propose, donc je vous propose de me poser des questions et de me faire des remarques si vous en avez à ce stade. Mais si vous n'en avez pas, donc je vous demande de voter, d'approuver les ouvertures de crédit qui sont équilibrées, tant en dépenses qu'en recettes, pour le budget ville, le budget forêt, le budget résidence senior et le budget maison de santé. Et puis bien sûr, de pouvoir signer tous les actes qui vont avec. On va les passer budget par budget. Est-ce qu'il y a donc sur la DM ville des avis contraires, des abstentions? Ok. Forêt, des avis contraires, abstention, d'accord. Résidence senior, des avis contraires, abstention, c'est bon. Et maison de santé, des avis contraires, abstention, c'est voté, je vous remercie. Après quelques millions, quelques centimes, tarification donc de la casse de la vaisselle. Et il faut le faire passer au conseil municipal, donc je vous propose d'aller très vite. Parce qu'en dehors de la rotonde, seule la salle polyvalente de Girmont était équipée en vaisselle, ce qui demandait donc des manipulations entre les salles pour amener de la vaisselle à droite, à gauche. Donc on a notamment de la vaisselle maintenant salle Verdun,
Et donc, s'il y a de la casse, ben, on demande des remboursements. Et puis, actualiser, suivre les prix et les tarifications donc, sur les vaisselles cassées à la salle polyvalente de Giremont. Je vous propose donc de ne pas passer la spatule, le couteau de pain, les fouets en inox, le légumier, les fourchettes au crible. Et vous proposer, sauf si vous avez des questions dans ce rapport qui était communiqué auparavant, de me poser des questions, puis à ce moment-là, j'essaierai d'y répondre. Simplement vous dire que pour un certain nombre de choses, eh bien, les tables, le diable, les chaises, les chariots, les cendriers extérieurs, les clés de salle pour les petites tables rondes et les casiers à verre, on appliquerait une tarification au prix coûtant, puisqu'il n'y a pas toujours les mêmes tarifs en fonction des matériels disponibles ici ou là. Et puis sur tous les autres équipements, on a effectivement des prix à proposer. Et donc c'est le cas pour la salle polyvalente de Giremont, et c'est le cas aussi pour la salle Verdun, qui est désormais équipée donc, de ces éléments, qui on l'espère favorise leur location. Je précise en même temps que donc, l'arrivée de Jérôme Valcézia, hein, d'ailleurs, donc la procuration saute également. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport stratégique, mais néanmoins intéressant? Non? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je propose que Carole présente le prochain rapport, la participation au challenge de sobriété hydrique. Merci, Monsieur le maire. Donc, notre commune a été sollicitée par l'association Vers l'essentiel pour participer, donc, comme la commune voisine de Chavelot qui l'avait lancé au printemps, au challenge collectif de sobriété hydrique Gardons de l'eau pour demain. Donc, c'est un challenge qui consiste à proposer aux habitants de la commune des tarifs préférentiels par le biais d'une commande groupée pour des équipements hydroéconomes, donc du type mousseur pour les éviers, lavabos, pommeaux de douche et qui permettent de réduire les consommations d'eau. Donc, dans le cadre de la politique de développement durable et de favorisation des éco-gestes citoyens, la commune de Thaon souhaite encourager cette initiative et participer au challenge. Donc, la commune proposera de devenir le point de livraison de la commande groupée et prendra en charge les frais de port qui sont liés à la livraison des commandes. Donc, les modalités pratiques et le lien pour accéder au site partenaire de Tréval France seront disponibles prochainement sur le site internet de la commune, et une communication sera faite la plus large possible, de manière à ce qu'un maximum de nos habitants puissent s'équiper et participer à ce challenge. Très bien, merci. Donc il est proposé de délibérer pour être à la fois le point de desserte et de distribution des matériels commandés par les habitants, et puis donc à ne prendre en charge, comme vous l'a proposé, les frais de livraison groupés au niveau du budget de la ville. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des remarques? Non. Donc ce rapport est mis aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Carole, tu continues? Oui, avec une légère modification du règlement du concours des maisons fleuries. Donc, lors de la séance du 17 novembre 2022, nous avions validé le règlement de concours des maisons fleuries. Au regard du contexte environnemental actuel et dans le but de poursuivre une redynamisation de ce concours, nous apportons deux légères modifications au règlement. Donc, d'une part, il y a le repositionnement de la période de passage du jury, qui était précédemment fin juillet, début août, et que l'on va reporter dans le courant du mois de juillet, eu égard au risque de sécheresse et d'un arrêté sécheresse renforcé qui pourrait tomber, comme l'année dernière, assez tôt et empêcher les arrosages des fleurs et des potagers. Et d'autre part, la possibilité pour le jury de créer de nouvelles catégories ou de retenir des réalisations remarquables lors de la période du durée du concours qui ne seraient pas inscrites. Et on a d'ailleurs sollicité les élus référents des comités de proximité, qui peuvent également s'appuyer sur les habitants référents, pour nous faire aussi remonter des réalisations particulièrement réussies qui pourraient agrémenter le palmarès de ce concours. Donc les autres modalités restent inchangées. C'est pourquoi on vous demande de bien vouloir acter ces deux modifications. Donc les récompenses du concours pourront prendre la forme de bons d'achat chez les commerçants, de cadeaux divers dans la limite du budget annuellement alloué pour cette opération.
Très bien. Question, remarque, non, ce rapport mis aux voix, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Proposer cette fois-ci donc une adhésion à Mutua Plus sans aucun impact budgétaire pour la commune, hein, bien entendu. Nous avons reçu récemment donc la représentante de l'association Mutua Plus qui trouvait opportun de proposer aux habitants de la ville de Thaon-les-Vosges un contrat de santé mutuel via des contrats groupes à des prix attractifs. Bon, on sait très bien que déjà un certain nombre de personnes peuvent, par leur employeur notamment, bénéficier de ce genre de contrat groupe. Donc l'objectif de cette association, avec laquelle nous n'avons bien sûr aucun lien, bah, c'est d'essayer de trouver des gens intéressés pour négocier leur mutuelle et puis recourir peut-être à des formules plus avantageuse et plus ou moins onéreuse, hein. Donc une personne de cette association pourrait tenir permanence dans un local mis à disposition par la commune. C'est le seul coût globalement qu'on assumerait, c'est la mise à disposition gratuite d'un local, donc on s'en remettra, pour proposer aux administrés des tarifs négociés. Donc c'est sûr que par les temps qui courent et cette inflation relativement importante, peut-être qu'un certain nombre de personnes pourraient être intéressées pour revoir leur contrat. Des gens qui n'ont peut-être pas revu leur contrat depuis très très longtemps aussi et qui peut-être voudront bénéficier d'un conseil. Après, on sait que ce n'est pas toujours facile, hein, de comparer, hein, les mutuelles. Hein, tout est fait d'ailleurs pour qu'on ne puisse pas les comparer bien souvent. Donc là, la personne en l'occurrence prend la mutuelle de la personne intéressée, la calque sur ce que Mutua Plus peut proposer, et puis accompagne les personnes. Donc nous, on n'est pas garant de la qualité de l'accompagnement, hein, on est bien d'accord. On a trouvé que les gens là étaient sérieux, donc on accepte de conventionner, parce que ça nous intéresse éventuellement que les habitants de la commune puissent peut-être bénéficier de ce service, mais nous, on n'a pas d'intérêt particulier, quoi, je veux dire, là-dedans. Hein, donc... Après, bon, c'est une association locale, son siège est à Verdun, c'est des gens du coin. La personne qui est venue nous présenter ça, d'ailleurs, me semblait vraiment sérieuse, dynamique et donnait des réponses claires. Donc voilà, on propose de porter cette convention à la validation du conseil municipal et puis aussi d'obtenir votre accord pour mettre à disposition un local pour cette personne. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des précisions à apporter ? Non, bon, on invitera les habitants éventuellement, sans que ça les engage, à les comparer éventuellement, hein, et bénéficier de ce service, s'ils le souhaitent. Donc, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Je vais vous parler de la surveillance du domaine des lacs. C'est une convention habituelle, mais le prix, lui, ne le sera pas. Pour rappel, donc, le SDIS assure la surveillance donc, de la nage, hein, et de la baignade, plus précisément. Donc de 14h à 19h tous les jours, donc du 8 juillet au 27 août, si on le veut bien. Pour ce faire, donc, il y a trois personnes du SDIS qui donc, gèrent cette permanence, gèrent cet accueil, cette présence et potentiellement ce sauvetage, s'il en est besoin. La seule chose, c'est qu'auparavant, ça devait nous coûter à peu près 120€ et que là, 121. Et que là, il nous est demandé donc de porter le prix par jour et par agent à 130€. C'est 10€ de plus, quand même. Et puis, donc, sur les jours de non-ouverture, la commune s'acquitterait quand même d'une somme forfaitaire de 95€, parce que les personnes sont quand même mobilisées, malgré tout, même s'il pleut et qu'on n'a pas besoin d'eux sur site. Donc, le coût maximum pour toute la période estivale serait donc sur 51 jours, du 8 juillet au 27 août, donc de 19 890€, hein, ce qui n'est pas rien, mais qui me semble totalement indispensable compte tenu des risques encourus quand vous pouvez avoir, par exemple, 1 200 personnes sur la plage un jour de canicule, quoi, hein, donc ce serait assez imprudent de ne pas prévoir la surveillance. Bon, je ne remets pas ce sujet au débat, ça fait 3-4 fois qu'on le valide, hein, donc... Mais bon, c'est une mise en perspective qui me semble néanmoins intéressante. En sachant que nous ne reproduisons pas, alors que j'y étais favorable, hein, la convention avec la gendarmerie nationale, qui nous a coûté à peu près 8 000€, on demandait donc deux réservistes de plus que ce que la COB peut déjà disposer
pour l'ensemble du territoire des 22 communes de la COB. Donc nous, on demandait deux réservistes trois jours par semaine pour de 13 à 23 pour améliorer la sécurité et sur le domaine des lacs et dans la ville. Pour des raisons comptables, le colonel Avi n'a pas souhaité proposer de signer cette convention de nouveau, puisque l'argent va à Metz et ne revenait pas dans les Vosges. Moi, j'ai considéré, je pense que les enjeux sont un peu ailleurs que cela, mais bon, c'est juste le même pantalon, mais pas la même poche. Mais bon, c'est pas grave. On m'a assuré que ça ne viendrait pas, de manière négative. Ça n'impacterait pas de manière négative la surveillance du domaine des lacs, notamment sur la période d'été. Ben, on verra bien. On verra bien. On va être attentif. Parce que, bon, certes, on travaille d'ailleurs très bien avec le major, hein, il n'y a pas de souci. Hein, et de grosses opérations de surveillance sont prévues, notamment au début de la période, pour montrer la présence en masse des forces de l'ordre. Mais j'ai quand même tendance à penser que ces deux réservistes ne servaient pas à rien. Ben, on verra après l'été. Hein, peut-être qu'on dépensait 8000 euros pour rien, ben, on sera bien content de plus les dépenser. Mais je trouve que c'est un peu aléatoire et qu'il faut être un peu vigilant à ces choses-là. Donc nous y serons attentifs. Et peut-être qu'on va enfin aussi réussir, nous, à compléter à 5 hein, l'effectif de police municipale qui nous permettra, et là, il n'y aura pas de possibilité de contourner, de dire non, c'est pas possible, un service de soir de la police municipale à partir de l'été 2024. C'est non négociable, c'est une décision irrévocable que je prends et à laquelle également je serai extrêmement attentif, quelles que soient les conditions et quelles que soient les circonstances, pour améliorer la sécurité, parce que faut être quand même un peu honnête, c'est quand même, il y a quand même, et c'est des dires de la gendarmerie, hein, c'est pas moi qui affabule, hein, et comme une activité particulièrement importante sur la commune depuis que les températures montent, hein, et visiblement quand même un peu plus importante que ce qu'on avait perçu en 2022. Et notre rôle, nous, c'est d'assurer la tranquillité et la sécurité des habitants, en lien avec la gendarmerie nationale. Voilà, tout est dit, c'est une digression, puisque l'on parlait du SDIS et de la surveillance de baignade, mais on avait l'habitude aussi d'adopter l'autre convention, et je ne vous la propose pas, donc je vous donne les informations qui me semblent nécessaires. Sur cette convention, est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Non? Eh bien, je la mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je vous parlais cette fois-ci donc de la convention pour le conseiller numérique. En 2021, on avait acté la création donc du poste de conseiller numérique. Ça avait été suivi par l'État et c'était très largement financé parce que sur 2 ans, on avait 50 000 euros de subvention. Ça nous coûtait donc le reste à charge pour la ville n'était donc pas très important. Vous le savez, le conseiller numérique est intégré aujourd'hui dans les locaux de la Maison France Service, dont les statistiques sont en progression très importante. Je pense que c'est parce que les gens qui sont là-dedans conseillent bien, sans doute. Et c'est aussi parce que le fait que la maison France Service est beaucoup mieux placée, hein, qu'on ne trouve plus au milieu d'un dédale de couloirs et de portes, mais sur la rue de l'avenue des Fusillés. Donc c'est quand même, à mon avis, aussi un élément saillant. Donc depuis octobre 2021, les statistiques sont les suivantes. Hein, 851 personnes ont été accompagnées par le conseiller numérique, 89% de retraités, 88% de Taonnais, donc c'est pas en plus, hein, vous avez bien compris, hein, c'est en dedans, 80% d'usagers de niveau débutant qui, selon le conseil numérique, ont pu progresser dans leur pratique grâce à cet accompagnement. Bon, c'est son évaluation à lui, mais on peut faire confiance. Donc je vous propose d'abord donc, de renouveler, puisqu'on arrive en octobre 23, on sera à la fin des 2 ans donc, de contrat. Donc on pouvait dire on arrête le conseil numérique ou on continue. Donc moi je vous propose de continuer, de renouveler pour 3 ans le poste et puis aussi la convention de financement avec la Caisse des dépôts et consignations qui représente l'État dans cette affaire. Sauf que bah, le financement c'est plus le même hein, et vous savez très bien que c'est souvent pareil hein, avec l'État et c'est normal, hein, l'État a stimulé et puis se retire au fur et à mesure du financement. Et donc, sur 2 ans, on avait eu 50 000, et sur 3 ans, on aurait 42 500. Donc, vous voyez, c'est un affaissement important du financement. Donc, on pourrait se dire, ben, on n'a plus d'argent, on arrête.
je pense qu'il faut regarder les choses avec un autre regard et globalement de poursuivre cette trajectoire pour limiter la fracture numérique. C'est des grands mots, fracture numérique, on va dire, et continuer à aider les gens qui en ont besoin. Parce que fracture numérique, ça fait un peu techno. Donc, nous demanderons au conseiller numérique, en espérant que ce soit le même, parce qu'il donne satisfaction, bien entendu, on proposera au titulaire du poste de poursuivre, d'améliorer la visibilité de l'action, d'essayer d'aller chercher les publics, y compris non retraités, qui sont eux aussi éloignés du numérique et qui ont peut-être moins de facilité à venir dans la structure et à demander un service, un coup de main. D'essayer de sortir des murs plus encore de la maison France Service et d'organiser encore davantage que cela n'a pu être fait des séquences de formation, des séquences extérieures pour améliorer les résultats. Donc ce que je vous demande ce soir, c'est de m'autoriser, puisque c'est la convention qui est à la délibération, mais je suis toujours très transparent dans ce que je vous propose, je vous dis aussi qu'en même temps, c'est une proposition de continuation du contrat pour 3 ans, donc m'autoriser à signer la convention du conseil numérique pour cette durée de 3 ans avec la Caisse des dépôts et consignations. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions sur ce rapport? Non? Donc je le mets aux voix, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. On avait besoin aussi d'actualiser les tarifs d'occupation du domaine public en 2023. On en a débattu, effectivement, en interne, en se disant, depuis la crise sanitaire, on ne demandait pas d'argent au boucher pour la rôtissoire, on ne demandait pas d'argent au cafetier pour la terrasse, etc., etc. Et puis on s'est dit peut-être que maintenant que la crise sanitaire semble être derrière nous, peut-être qu'on pourrait demander des sous pour la terrasse de café, pour un stationnement de véhicules pour transport de fonds, pour les rôtissoires, pour potentiellement les machines qui font les glaces italiennes, etc. Très franchement, j'envisage de vous proposer de ne pas mettre en place de tarifs, parce que d'y aller, le temps agent, le temps de recouvrement, le coût du mandat, du titre, pardon, ça coûte plus cher que les 3 francs 6 sous qu'on va obtenir. Donc franchement, on pourra toujours dire que c'est une mesure d'aide au commerce, pas être non plus trop démagogique, on peut toujours le dire, ça fait mal à personne, c'est toujours mieux de ne pas payer effectivement l'emplacement que de le payer, mais c'est une faveur de la commune, il faut quand même le rappeler, c'est clair, c'est souvent oublié, malheureusement. Mais c'est surtout aussi parce que ça nous arrange un peu, et d'aller perdre du temps pour prendre 12 euros, 50 euros par là, 150 par là. Vous mettez le temps agent, le coût du mandat, ça coûte plus cher. C'est démontré, ça coûte plus cher, donc c'est pas la peine. Par contre, sur les commerces ambulants, qui demandent une autorisation d'occupation du domaine public, on envisage quand même de demander 100 euros par mois. On demande un plan d'implantation à respecter scrupuleusement. Pourquoi on met ça? C'est parce que des fois, pour ne pas le citer, un poissonnier qui se balade à droite à gauche, de manière un peu sauvage, et qui vend son poisson à l'arrache, c'est quand même pas très glorieux, je veux dire. Il faut nous demander, on n'est pas des sauvages. C'est quand même important de le dire. Et donc une demande écrite, etc., etc. Donc sur les marchés hebdomadaires, vous avez quand même bien vu que le marché hebdomadaire était quand même pas des plus rutilants. Comment ça se fait? Je dis, allez acheter des trucs. Quand il y avait 15-20 exposants, c'était là qu'il fallait aller dépenser de l'argent si tout le monde est tellement attaché au marché d'été. Parce qu'il ne faut quand même pas croire que les commerçants ambulants viennent et font une exposition. Ils vendent. Il ne s'agit pas donc de passer, repasser, passer, repasser, de regarder, de ne pas d'acheter, et puis de penser que les gens vont encore revenir l'année prochaine pour amuser la galerie. On propose néanmoins aux abonnés avec présence au moins une semaine sur 2 la gratuité et au volant 10 euros par samedi. Le marché hebdomadaire d'hiver en extérieur, s'il y a une poursuite, gratuité,
les volants non autorisés. Les autres marchés, exposition en extérieur avec 10 euros par 5 mètres linéaires, marché exposition en intérieur, 10 euros par mètre linéaire par jour. S'agissant des événements, brocantes, kermesses, vide-grenier, donc 20 euros par mètre linéaire par jour pour les particuliers et privés, 2 euros par mètre linéaire et par jour aux associations, gratuit pour les associations qui interviennent au titre d'animation organisée par la ville. Les cirques, événements forains, spectacles, etc., manège pour enfants jusqu'à 10 ans, 300 euros pour une semaine, attractions pour adolescents et adultes, 300 euros pareil, confiserie, 300 euros pour une semaine, caravanes et véhicules liés au manège, attractions et confiserie, 5 euros par jour, les cirques sous chapiteau, 500 mètres carrés maxi, 500 euros par période de 7 jours, plus une caution de 3000 euros. Par mètre carré supplémentaire pour les chapiteaux, on demanderait 1 euro par mètre carré par jour sur une semaine pour ce qui ferait plus de 500 mètres carrés. Les caravanes et véhicules liés au cirque, 5 euros par jour. Les 50 euros pour les spectacles couverts ou non couverts, type marionnettes. 5 euros pour les caravanes et véhicules liés au spectacle. Et bien entendu, les contrevenants s'exposent donc à une amende puisque... S'il y a occupation illicite du domaine public, il est évident que nous interviendrons. Voilà pour ce rapport. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, précisions à donner ? Non ? Je mets ce rapport aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Convention de partenariat avec le centre social. On aurait pu d'ailleurs faire présenter ça par Thierry. Donc, dans le cadre de la convention cadre d'objectifs et de moyens signée entre le CSAL et la commune, on avait bien sûr décidé d'une subvention annuelle plus ou moins fixe en fonction donc, des flux au CSAL. Et puis, il y a une partie modulable en fonction des projets présentés à la ville. Donc, Thierry a convoqué la commission Enfance Jeunesse. Vous vous êtes prononcé sur un certain nombre de sommes que tu pourras, si tu veux, éventuellement préciser si besoin est, puisque le CSAL nous a fait donc des demandes précises. Pour l'acquisition d'un véhicule 9 places, 7 000 euros demandés, 6 200 euros proposés par la ville. Matériel informatique, 2 500, on suivrait. Un projet graphe, 500 euros, zéro. 3 500 euros demandés pour les petits déjeuners dans les écoles, proposerait 3 000 euros parce qu'on trouve intéressant la démarche pédagogique d'apprentissage à un meilleur petit déjeuner. Même il ne faut pas que ça serve simplement à faire bombance le jour-là. Un studio d'enregistrement pour 1 800 euros propose de suivre à hauteur de 1 300 euros, mais il y aurait évidemment de meilleures synergies avec la souris verte à envisager. L'accueil du public ado, 1 800, 0 euros, il y a d'autres financements par ailleurs. Départ en vacances pour les ados, 4 500 euros, il y a pas mal de financements qui sont mobilisés par ailleurs. On propose de suivre hauteur de 2 000 euros, étant précisé, Thierry, que la ville, d'ailleurs, donne ses droits à colo apprenante, à hauteur de 27 dans un premier temps. J'ai appelé l'État, moi, le représentant de l'État, il y a une semaine, pour leur dire, si vous en avez un peu plus avant l'été, nous, on est intéressés, et ça participe largement au financement, hein, largement. C'est 500 euros par enfant, hein, faites 500 fois 27, hein, quand même. Donc, plus 2000. Donc, c'est une aide, puisqu'on veut vraiment que les ados partent en vacances. Voilà, c'est ça, en fait, le sujet. Et donc, on veut les aider. Les actions familles, elles trouvent des financements par ailleurs. 2000 euros demandés, zéro proposé. Thierry, est-ce que tu veux faire des précisions sur ces différents sujets que je n'aurais pas donné à l'instant ? Vas-y, prends le micro. Juste la partie qu'on appelait accueil du public ado, il s'agit en fait du loyer que le centre social paye sur l'appartement Avenue de l'Europe. C'est juste la précision. Voilà, on a estimé qu'on n'avait pas à participer là-dessus puisque ce n'est pas véritablement une action. Voilà, c'est tout. Si vous avez des questions sur les montants. Non. Bon, merci. Donc le CSAL devra fournir bien sûr un bilan de chacune des actions. Il est donc proposé, et c'était le deal, hein, pour être tout à fait franc avec vous, on disait on peut apporter 15 000 euros sur des projets qui nous intéressent. Ils nous intéressent, donc ces 15 000 euros, on ne fait pas les ramiers en disant on met 14 000 ou 13 000. On propose 15 000 sur les 23 600 demandés. Et dans le cadre des très bonnes relations... notamment les constructions de projets très prospectives et profondes avec le directeur Christian Borowski, on sait que ça permettra de tout réaliser. Quoi. Voilà. Il y a un vrai, c'est bien. Quoi.
Enfin, dire ah, ben non, il en manque, et puis faire de la démagogie, la mairie devrait mettre plus. On construit, quoi. Hein, c'est... Non, mais ça fait quand même plaisir de travailler avec des gens comme ça, quoi. Hein, je veux dire, c'est quand même bien. Hein. Et franchement, c'est vraiment une belle association qui fait un bon boulot, quoi. Donc il faut soutenir, quoi, c'est important. Hein. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres remarques, des questions sur ce sujet? S'il n'y en a pas, je me revois. Qui est contre, qui s'abstient? Je vous remercie. On va regarder les transferts de compétences à la communauté d'agglomération d'Épinal sur des sujets qui ont déjà été très largement partagés, notamment avec une réunion publique sur le sujet que nous estimions plus important et sensible de celui de la rotonde, sur celui du domaine des lacs, qui est néanmoins important, mais je le pensais beaucoup plus consensuel et moins technique que celui de la rotonde. Donc, sur le domaine des lacs, il est donc proposé, à côté du 1er juillet 2023, de transférer l'ensemble de ce qu'on a là-bas. Et bah, ce n'est pas grand-chose. Parce qu'à part deux morceaux de parking, celui à gauche, quand vous arrivez, là où on peut mettre plusieurs centaines de véhicules, et puis le parking axial et la plage, on n'a rien. Une partie ici, pardon, de la balastière. Sinon, on n'a rien du tout. Le lac, c'est barrière encore pour l'instant. Le deuxième et troisième lac, c'est barrière. Voilà, donc on a, si vous voulez, mis un peu de temps, parce que c'était, vraiment, pardon l'expression, mais un vrai bordel dans les actes liés aux propriétés. On est seulement en train de réussir à déminer et à sortir de cet imbroglio de propriétaires, de quasi-propriétaires, de bail amphithéotique fait par quelqu'un qui se juge propriétaire, la ville, qui ne l'était pas. Extraordinaire, quand même. Extraordinaire. Du jamais vu. Hein. Donc, et là, on peut mettre toute la balance. L'avocat, notaire et contractant, vraiment, le prix citron de la gestion juridique. Hein. Bon, bah, il a fallu sortir de cela. On en sort. Donc, sur le domaine des lacs, pour être tout à fait précis, il y a quand même, on ne s'en débarrasse pas. J'ai simplement estimé, avec l'appui de l'ensemble des élus de l'exécutif, que ce n'était pas à la ville de porter le développement de cet outil. Ce n'aurait pas dû d'ailleurs être la ville qui aurait imaginé le développement du site. On aurait dû le développer en cohérence avec la communauté d'agglomération d'Épinal, qui a d'ailleurs freiné des cas de fer. Pourquoi ? Parce qu'ils s'en foutent d'Axer, Momont, machin. C'est simplement que, historiquement, la ville avait délégué, transféré à la communauté de communes Cap-Avenir le site, et avait demandé au moment de la fusion avec donc des différentes com-com qui se sont retrouvées dans la com d'Aglo, avait ressorti le site pour le reprendre au niveau de la ville, pour le développer tout seul. Donc nous, on revient avec nos yeux de Merlan Free en disant bah, on aimerait bien quand même que ce soit l'Aglo qui le reporte. Donc c'est quand même des mouvements de va-et-vient totalement insupportables, aucune lisibilité de la politique municipale, et c'est la faute à personne. Je veux juste dire qu'à un moment donné, il faut qu'on soit clair dans nos intentions. Voilà, et c'est un site qui accueille 50, effectivement, ben, quand il fait beau, 50 000 personnes par an, il est communautaire, de fait, dans son usage. Il doit donc être communautaire dans son développement, pas simplement dans son financement. Je ne suis pas simplement là à dire c'est Michel Henrich et l'agglo qui doit faire le chèque, c'est l'agglo avec la ville qui doivent développer le domaine des lacs dans une stratégie de développement touristique portée non pas par la ville, on ne fera jamais de schéma de développement touristique à Taon, on le fera à l'agglo et on le déclinera sur Taon. Voilà, c'est clair. Je pense que ça serait quand même très inconséquent de faire autrement. J'ajoute que, en dehors de toutes ces turpitudes administratives et juridiques, qui étaient quand même vraiment pas glorieuses du tout, nous avons obtenu qu'un programme de développement du domaine des lacs soit porté dès l'année 2024 et 2025 par la communauté d'agglomération d'Épinal, qui envisage donc de pouvoir consacrer environ 1 million d'euros sur le site d'ici la fin du mandat, afin non pas de faire des cathédrales, hein, mais qu'il y ait des toilettes, quoi, tout simplement, hein, un poste de secours, juste des trucs comme ça, quoi, et pas des trucs d'Américains, hein, juste des aménagements en phase avec l'usage de l'équipement. Voilà, donc nous y serons bien entendu vigilants, et de toute façon, la ville, soyons aussi un petit peu explicites, hein,
nous n'avions pas les moyens de le développer tout seul. Voilà. Voilà. Donc voilà sur le domaine des lacs. Sur donc il n'y a pas de transfert de, personnel. Il faut juste que je précise que globalement il y aura une convention entre l'agglomération d'Épinal et puis la ville de Thaon-les-Vosges pour que nous continuions quand même à entretenir, à organiser, notamment les parkings, organiser aussi l'entretien des toilettes, etc., etc. Donc par voie de convention. Donc l'objectif, c'est que le développement et les investissements soient portés par l'agglomération d'Épinal, mais l'agglo a besoin de la ville pour continuer à entretenir et gérer le site quotidiennement. Voilà ce que je pouvais dire. Sur la rotonde, sur la rotonde, on a quand même déjà largement parlé. On a aussi fait une réunion publique donc la semaine dernière, on a été très complet. Sur la rotonde, juste pour rappel, pour ceux qui peut-être en auraient besoin, et en dehors du transfert des personnels qu'il faut également acter ce soir, on parle donc d'une mise à disposition du bien également intégralement, des espaces extérieurs, des parkings, l'ensemble de la parcelle sur laquelle est assise la rotonde de Thaon-les-Vosges. Donc à partir du 1er juillet 2023 aussi. Beaucoup de conventions dans le même esprit, il faut remplacer une ampoule, il y a un chiotte de boucher, la ville va par voie de convention continuer à le faire pour le compte de l'agglomération d'Épinal, peut-être jusqu'au jour où l'agglo aura son propre service, c'est pas pour demain. Sur les investissements, il a été décidé également un plan pluriannuel d'investissement, puisque là aussi nous ne sommes pas en mesure de le faire malheureusement, de 250 000 euros tous les ans à partir de l'année prochaine. Qui durera le temps qu'il devra durer, compte tenu de l'état des salles, notamment à l'intérieur, du mur de soutènement, du système de SSI qui ne convient pas, du chauffage qui est totalement ubuesque. Je rappelle quand même que quand vous, en hiver, vous voulez louer la salle des cadres en bas, il faut venir avec un chauffage portable, brancher, venir 2 heures à l'avance, y ventile, y chauffe, puis l'enlever parce qu'il fait un barouf d'enfer, l'enlever avant que la réunion commence. C'est quand même ça la réalité de la rotonde. Pour ceux qui font que passer devant, dire « waouh, oui, waouh », mais quand tu vas dedans, c'est un peu moins féerique quand même. Donc les usages des associations qui sont présentes en dur, tennis de table, tir à l'arc, salle de musculation, ascendance, Hispanica Montanas Dancers, gigoise, conserveront les salles tant qu'ils en auront besoin de manière habituelle. Il y a simplement, si la ville, nous voulons mettre en place un nouvel équipement pour les sortir du sous-sol où il faut se baisser, se mettre accroupi pour réussir à aller jouer en bas, que là on pourra éventuellement décider de les affecter ailleurs, mais c'est une décision de la ville et pas de l'agglo. Le gymnase à l'arrière, bien entendu, est communautaire, mais par voie également de convention, c'est la ville qui en dispose et qui le met à disposition toujours de l'ST gymnastique. Le logement au-dessus n'est pas requestionné. Ce qui est important de préciser, de repréciser encore une fois, pour que tout ça soit bien clair, sur les usages plus ponctuels, notamment de la mairie et des associations taonaises. Nous sommes en totale liberté, compte tenu des discussions que nous avons menées avec Michel Henrich, et que nous allons donc transposer par des actes le repas des aînés, les vœux du maire, le gala ascendance, on pourrait parler du salon du patrimoine, du terroir, on pourrait parler du salon des artistes amateurs, etc., etc., etc. Tout ce qui est identifié en fait comme manifestation qu'on veut voir se tenir à Thaon-les-Vosges, eh bien on pourra réserver ça dans le calendrier, on l'imposera dans l'agenda de la rotonde, et sur le plan financier, si nous voulons maintenir les conditions antérieures, on le pourra. Ce qui va se passer, c'est que par exemple, si le salon de la bière, par exemple, de l'EST Central, coûtait 1 500 euros de réservation de salle, mais que le coût réel était 3 000, la ville soit versait une subvention à l'EST, soit faisait un tarif à 1 500, eh bien à l'avenir, il faudra payer 3 000 à la communauté d'agglomération d'Épinal, et si la ville veut que l'association y aille pour 1 500, eh bien, elle donnera 1 500 euros de subvention à
l'association en question. Et quand même, il faut quand même le dire, tout ça sera financièrement neutre pour la ville, puisqu'à chaque fois que la ville mettra une subvention sur ses manifestations, donc 1500 plus 1500 plus 1500 plus 2000 plus 3000, enfin, etc., etc., l'attribution de compensation de la ville de Taon, qui est donc versée par l'agglo à la ville de Taon, sera améliorée de l'ensemble des subventions que la ville va donner aux associations. Que demande le peuple, hein ? Alors, s'il y en a un qui veut venir me casser les pieds avec ça, moi je l'attends, hein, parce que c'est quand même des dispositions particulièrement, à mon avis, bien négociées dans l'intérêt du territoire. Ce qui me chagrine le plus, pour être tout à fait franc avec vous ici, c'est que quelqu'un en ait douté, c'est quelqu'un parmi les 8500 habitants de la ville, ait pu à un moment donné douter qu'on allait assurer les intérêts de tout le monde comme ça. C'est ça qui est dramatique. C'est que quelqu'un, qu'un seul même là-dedans, ait pu douter qu'on puisse garantir les intérêts des différentes associations. C'est quand même se tromper sur l'origine de cette équipe municipale, qui est quand même 85% composée de gens qui sont dans le tissu associatif. C'est comme si on était hors sol, comme si on était devenus des technocrates, des gens sur la Lune, et qu'on n'était pas capable de regarder les choses dans la réalité. Et comme si on était incapable de négocier avec les différentes parties. Ce que je veux juste dire, c'est que ceux-là, s'ils continuent, il faudrait quand même qu'ils portent la responsabilité quand même de leur point de vue et qu'ils les affirment publiquement, ce qui n'a pas été le cas d'ailleurs lors de la réunion du 7 juin, lors de la réunion publique. J'aurais bien aimé qu'on vienne me donner le change, qu'on vienne encore mieux que moi assurer les intérêts des locaux sur l'usage de la rotonde. J'aurais bien aimé que quelqu'un vienne dire à Michel Henrich qu'il aurait dû faire. Ben, c'est pas arrivé. Donc c'est bien beau de miauler dans les chaumières. À un moment donné, on est tous co-responsables de ce qu'on fait de cette ville. Et plutôt que de dire « Ah, mais est-ce qu'ils vont faire ça ?» etc., c'est quand même à un moment donné de se hisser à la hauteur des enjeux. Merde. Parce que, sur ce sujet, je complète le propos. On n'était pas capable, nous, de nous mettre à la hauteur. Parce que ça nous coûte 250 000 euros aujourd'hui par an, la rotonde. Mais en dépensant 250 000 euros, on ne fait pas ce qu'il faut. Entendez-le bien, on ne fait pas ce qu'il faut. Et pour faire ce qu'il faut, c'est-à-dire avoir un SIAP 1, un SIAP 2, à chaque fois que tu ouvres la porte du truc, si tu veux avoir une stratégie de commercialisation qui tient la route, si tu veux avoir un directeur artistique qui va être capable de venir faire venir des spectacles, etc., 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 c'est 6, et avoir des investissements de 250 000 euros par an, c'est un minimum contenu de cette cathédrale, ben c'est 600 000 euros par an. Il aurait fallu qu'on passe de 250 000 euros par an à 600 000 euros par an pour la rotonde. C'est-à-dire 8% d'augmentation de taxes foncières sur les propriétés bâties. Alors moi, je veux dire, je suis prêt à le faire. Hein. Moi, je suis prêt à le faire. Hein. Pas de problème. Elle vaut le coup, hein, la rotonde. Hein. Elle vaut tous les sacrifices. Sauf que, si on avait fait ça, ben ouais, tu recrutes un directeur artistique. Alors la rotonde, elle vaut aussi sans doute un plan de carrière. Mais tu gères tes directeurs artistiques, tu n'as pas d'équipe, tu avais 4 agents, mais tu n'as pas plus d'équipe que ça. Il faut que tu te démènes pour rétablir un équilibre économique, alors que tu vas travailler que pour la rotonde. Alors peut-être un peu pour l'Arche Bernadette et machin comme ça, mais tu as en face de toi, éventuellement pour le coup, l'office de tourisme, le centre des congrès, géré par l'office de tourisme, qui a toutes les équipes déjà en place. Donc en termes d'attractivité des métiers, je ne suis vraiment pas sûr qu'on aurait en plus réussi à faire les recrutements qu'on aurait envisagé de faire. Donc on aurait pu faire les cakes, et puis après revenir dans un deuxième temps auprès de l'agglo en leur disant bah, « on n'y arrive pas, vous voulez bien nous aider ?» Je crois que voilà, il faut tout expliquer à un moment donné, hein, et bien comprendre. Donc s'il y en a bien, on verra bien qui vote, mais si il y en a bien certains, quelques-uns, il y a des procurations, donc 33, je ne suis pas sûr qu'il y ait des absents non excusés, on vérifiera, si, au moins un, voire deux. Donc, à part cela, tous ceux qui auront voté, je pense, sont ceux qui sauvent la rotonde. Voilà, c'est tout. Et donc, en plus, j'ajoute que, bien entendu, il faut transférer les personnels, qui, bon, il y a un avis du CST qui est favorable à l'unanimité, tant à l'agglo qu'à la commune, donc c'est tant mieux. Donc, il y a un agent polyvalent au grade d'adjoint technique titulaire 37 heures par semaine, qui est donc transféré. Un responsable au grade d'adjoint administratif titulaire 35 heures par semaine, qui est transféré.
et deux régisseurs, un à 35 heures et un à 17h30. Les deux sont contractuels, également transférés. D'ailleurs, s'agissant des régies, c'est intéressant aussi. On a changé de régisseur combien de fois ? Mais c'est pas, encore une fois, Axer, Momon, machin, c'est que le truc, ils sont tellement tout seuls là-dedans. Il faut faire des heures, des fois, de fou. On s'est mis de toute façon, parfois en danger, au point de vue de la réglementation du code du travail. 12 heures de travail, pas plus, heures de nuit, etc. On était quand même très largement en dehors des clous. Eh bien, je pense aussi, et c'est une idée de l'aglo, c'est que demain, avec tous ces staffs, peut-être qu'on pourrait imaginer la création d'une régie communautaire piloté par quelqu'un qui connaît le métier et qui va gérer ses plannings, qui va gérer ses techniques, ses équipements, etc. Je ne dis pas que ça va être facile, je ne dis pas que c'est le paradis, je dis juste que, à mon avis, c'est bien de rentrer dans ce genre de démarche. Donc, on a identifié une vingtaine de manifestations. Alors, pareil, on s'est mis d'accord avec Michel Henrich, si c'est 25, si c'est 30, ça sera 25, ça sera 30. Si on en a oublié une aujourd'hui, on la récupérera, hein, qu'on ne soit pas encore sournois. Ah, ben oui, mais ils ont oublié. Non, on est quand même aussi dans une forme de latitude. J'ajoute encore que, et là encore, ce n'était pas une évidence, un Taonnais, un Girmontais, un Eucursien qui va voir se marier dans la rotonde. Jusqu'à aujourd'hui, il avait 50% de remise. Demain, on s'est mis d'accord pour que le Girmontais, le Eucursien, le Taonnais qui va se marier dans la rotonde pourra. Payera tout le prix à l'agglo, hein, mais pourra bénéficier également d'un appui financier de la ville pour être à moitié. Et ce soutien financier de la ville, ce n'est pas 1500 qui va sortir de la poche de la ville, ce sera encore rétabli dans l'attribution de compensation que, l'agglomération d'Épinal va verser à la ville de Taon. Là, ça devient déjà un peu plus tiré par les cheveux, hein. Et à notre avantage, hein, faut le dire. Non, mais c'est bien beau de dire que l'aglo, c'est une pieuvre tentaculaire, cruelle et maléfique. C'est quand même pas le cas. Hein. Et enfin, parce que c'est aussi très important, une nouvelle manifestation, par exemple, n'existe pas. Je sais pas, par exemple, Philippe Murat veut organiser le marathon de Taon, par exemple. Et il dit, j'ai besoin de la rotonde pour le faire. Ben, on va dire, le coût s'étend. Si la ville de Taon veut que l'association d'athlétisme y aille gratuitement, pourquoi pas, ou à demi-tarif, pourquoi pas, eh bien, elle pourra là aussi décider de verser une subvention. Et on s'est mis d'accord également avec le président de l'agglo que dans le cadre de la commission locale d'évaluation des charges transférées, on puisse discuter également d'un réabondement de l'attribution de compensation. Alors, je veux dire que là, le tableau, il est complet et que... on peut juste dire et saluer également le travail qui a été réalisé par les différents services de la ville de Taon-les-Vosges, notamment sous l'égide de la DGS, et puis du DGS, de la communauté d'agglomération d'Épinal, qui nous ont, et Henrich et moi, vachement bien accompagnés pour qu'on puisse traduire en actes des décisions politiques que je voulais vous présenter. Voilà, je pense être complet. S'il y a des questions, je veux bien y répondre. S'il y a des remarques, n'hésitez pas à les faire. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui ont besoin, peut-être, ou envie de s'exprimer ? Non, ce n'est pas le cas. Donc, je mets ce rapport aux voix. Il s'agit donc du transfert, hein, des équipements et des transferts de personnel à compter du 1er juillet. Est-ce qu'il y a des avis opposés, contraires ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Ensuite, donc, installation d'un café vélo, un dispositif un peu particulier dont on a pu échanger avec certains d'entre vous ces derniers temps. Je vous pose le cadre. Donc, entrée de Taon par Chavelot, vous voyez ce bâtiment qui abritait Calipro, juste avant le bar PMU tenu par Christophe Vinet, le Longchamp. Donc, c'est aujourd'hui libre d'occupation. On a été approché il y a quelque temps par Anthony Louis, qui monte donc avec quatre associés, l'échappée bleue. Ils souhaitent donc mettre en place un concept cyclo-social, ils dénomment cela ainsi, c'est-à-dire une boutique dans laquelle vous pourrez acheter un vélo, alors principalement assistance électrique, mais aussi les vélos normaux, des pièces, c'est un atelier qui permettrait aussi de refaire des pièces, de faire de la maintenance sur les vélos, et puis le tout lié
de manière assez pertinente et intelligente par un concept. On peut boire un café, boire un sirop, venir voir une étape du Tour de France, Milan-San Remo ou je sais pas quoi, Paris-Roubaix, voilà, donc assez pertinent. Sauf que globalement, quand les associés de la société d'exploitation ont approché le propriétaire du bâtiment, il y avait donc une potentielle concurrence avec un autre usage, qui est un usage tertiaire, et qui aurait peut-être provoqué la délocalisation du centre-ville d'une enseigne, qui se serait rendue là-bas. Bon, et mais qui avait la faveur du propriétaire, parce que, bah, évidemment, des sociétés qui ont des capitaux, il y a juste 3 ou 4 zéros de différence dans les capitaux sociaux, quoi. Donc, t'imagines bien que le propriétaire, il réfléchit pas, hein. Il y a les dollars dans les yeux, et voilà. Mais c'est normal, hein. J'aurais peut-être fait pareil. Donc, pour aider donc Anthony Louis et ses associés, on a suggéré, c'est nous-mêmes qui avons suggéré, puisqu'il était en recherche de local en réalité, on a suggéré le principe qu'on avait mis en place pour Café In Fine. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour Café In Fine, le torréfacteur qui est situé au centre-ville, il y avait une société de pompes funèbres qui voulait s'installer. Et donc, là aussi, la société de pompes funèbres avait les reins plus solides qu'un torréfacteur, c'est une évidence. Et nous, pour permettre l'installation du torréfacteur, on a proposé de louer le local au propriétaire et de sous-louer à Romain Chic, le torréfacteur. Donc ça a passé comme ça. Et donc quand on a pu discuter avec le propriétaire du bâtiment Calipro, de la même manière, en ayant la ville comme locataire, ça donne une garantie de perception de loyer. Et donc là, qui a penché favorablement pour le projet d'Anthony Louis sous cette condition-là. Alors le risque, quel est-il? Le risque, c'est que, comme pour le torréfacteur, c'est que l'échappée bleue, telle qu'elle s'appellerait, fasse défaut. Au bout d'un an, au bout de deux ans, éventuellement. Bon, c'est pour ça que nous, on a demandé, c'était d'ailleurs avec Jérôme Valcézia, une exigence forte que nous avions, c'était d'avoir le budget prévisionnel du comptable, qui est de qualité, qui est plutôt prudent, prévoit des marges brutes, des excédents bruts d'exploitation et un bénéfice plutôt qui permet des aléas en fait par rapport à la gestion et notamment sur le chiffre d'affaires lié à la réparation de vélos. Donc dans ces conditions-là, demain, s'il fait défaut, ça veut dire que sur un bail, vous savez bien qu'un bail professionnel c'est du 3-6-9. Ça veut dire que entre le moment où l'échappée bœuf fait défaut et l'anniversaire des 3 ans, c'est la ville qui payerait le loyer et qui peut-être ne toucherait pas de sous-loyer. Voilà, c'est ça en fait le risque. Bon, après, on considère que le garçon il est quand même plutôt fiable, que le projet est plutôt bon, visibilité sur la véloroute, et puis un garçon qui a quand même du bagou, du réseau, on le voit aimerait dans le cadre de ce qui est porté dans le cadre de l'associatif, mais si on ne mélange pas, hein, mais on mélange quand même un peu, parce qu'avec le réseau qu'il a tissé, le monde qui gravite autour de la SOS, il est évident que c'est un public qui va l'aider sans doute dans son projet. Donc le loyer mensuel est de l'ordre de 1300 euros. Donc il est proposé, et ça a été intégré bien entendu dans le modèle, hein, c'est une évidence. Donc on propose, nous, à ce moment-là, de prendre en charge le loyer, et puis de demander le sous-loyer, avec, bien sûr, concernant l'échappée bleue, zéro coût à charge de la ville. Nous, on fait juste une opération de caution, on va dire, d'une certaine manière. Ce n'est pas une caution, mais ça y ressemble. Et puis, le seul risque, c'est si ça s'arrête, il faudra qu'on trouve éventuellement un autre sous-locataire jusqu'à l'anniversaire des 3 ans. On ne le souhaite pas, bien sûr. Et puis, pour être tout à fait clair et complet, je pense que c'est un projet qui peut apporter, encore une fois, dans cette dynamique commerciale, Jérôme, qu'on arrive à mettre en place depuis le début du mandat, une pierre de plus, un acte de plus qui peut-être ne serait pas mis en place avec c'est un petit appui. Imaginez quand même, parce que de toute façon, les gestionnaires sont à l'ARE, c'est le dispositif d'aide aux investisseurs qui sont soit après une rupture conventionnelle ou au chômage. Voilà, donc, je veux dire qu'ils ont pendant 2 ans des revenus. Donc pendant 2 ans, ils ne feront pas défaut. Pour être clair. Donc s'il y a un défaut au bout de 2 ans, il va falloir payer 1300 euros fois 12 mois,
En essayant quand même d'avoir un autre locataire, parce qu'à un moment donné, on essaiera de voir si ça ne va pas et d'anticiper, même 1300 x 12, un risque comme ça, c'est le risque que ça marche, qu'il faut aussi regarder et que ça prenne une ampleur particulière, parce que dans le quart nord-est, il n'y en a pas. Par contre, dans le trois quarts nord-sud-est, ouest, il y a déjà 25 établissements de ce type qui fonctionnent très bien. Donc, ce serait le premier dans les Vosges, premier dans le Grand Est, premier dans le quart nord-est. C'est peut-être aussi une manière pour notre ville de se distinguer, encore une fois, et d'avoir l'Agnac, tout simplement. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions, Jérôme? Oui, bien sûr. Plusieurs choses. La première, un dossier, vous l'avez bien dit, monsieur le maire, rondement mené, quand on voit le prévisionnel et tout ce qui est prévu. Je pense que ça va le faire. Un investissement personnel, parce qu'ils investissent aussi de leur poche, on peut le souligner quand même, et des sommes assez importantes. La polyvalence de l'activité, très important, ce n'est pas juste un réparateur de vélo. Et quelque part, je me tourne du côté de mon collègue Yannick, pour l'avenir, pour la mobilité, le plan de mobilité, quelque part, on va inciter les gens de plus en plus à aller vers de la mobilité douce. Le vélo, il faut quelqu'un ici qui soit capable de les réparer. Et puis, effectivement, à côté de la voie verte, là, je me tourne vers Carole, c'est quand même sympa. Donc, ça tombe au bon moment. Et je pense qu'il est effectivement le bon moment d'aider, de faire ce petit coup de pouce pour que ce local déjà soit utilisé. Parce qu'autrement, qu'est-ce qu'on peut y mettre là-bas? C'était pas simple d'aider. Parce que donc, Cédric Bernardin est là pour ça, d'aider le propriétaire à trouver autre chose à y mettre. Je pense que c'est une belle opportunité. J'étais un petit peu sceptique au départ. J'ai vu les dossiers et effectivement, c'est quelque chose de sympa qui va arriver. Voilà. Et je suis très content. Merci. Et du complément, je précise également que je proposerai à la communauté d'agglomération d'Épinal, par la voix du président, bien sûr, de revoir les dispositifs aussi d'aide à la location. Aujourd'hui, un privé qui se lance, il loue un truc, il y a 20% sur un loyer d'à peu près 800 euros qui peut être pris en charge par la commune d'Aglo. Mais comme là, c'est la ville qui porte, normalement, on ne rentre pas dans les radars. Donc comme c'est la ville qui porte, je souhaite quand même, à partir du moment où il y a un sous-locataire, il ne faut pas que l'Aglo aide la commune à louer un local, ça n'a pas de sens. Mais que l'Aglo aide la commune parce que finalement, elle fait opération, on va dire globalement, miroir pour un sous-locataire, il me semble pertinent qu'on puisse le faire. Parce que ça peut donner d'autres idées sur Thaon-les-Vosges, mais aussi dans toute l'agglomération d'Épinal, pour renforcer l'activité commerciale dans tous les centres-bourgs et le centre principal qui est Épinal. Donc ça peut véritablement nous aider dans des conditions qu'on sait bien aujourd'hui, qui ne sont pas très faciles, de faciliter la prise de risque d'un certain nombre d'opérateurs. Et puis voilà, on verra bien, je pense qu'on ne perdra pas de sous, puis si on en perd, oui aussi, il faudra l'assumer, c'est tout. Voilà, donc ces précisions est en fait. Est-ce qu'il y a d'autres remarques et questions? Non. Bon, écoutez, je laisse rapport aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. c'était pas inscrit à l'ordre du jour. Je propose donc de l'ajouter, une subvention exceptionnelle. Et là, je suis sincèrement désolé parce que le chèque, on l'a déjà remis sur un grand truc en Allemagne. Donc, si vous dites non, je serai dans l'embarras. Pour l'association Senioren für der Reverein à Alzenau, une association donc qui, je reviens très bien, c'était super, le jumelage, on a passé un bon moment. Il faut l'améliorer encore un peu à mon sens, mais de belles bases ont été refondées. Donc on a souhaité, puisque je vous rappelle que l'année dernière, les Allemands sont venus et ont offert donc deux chèques de 500 euros chacun pour TZ et la belle initiative. Il nous semblait quand même un minima élégant de venir, éviter de venir les mains dans les poches. Ça m'était, à mon avis, un peu inconvenant. Donc on a proposé, et d'ailleurs, on a pu faire une visite à l'appui de ce don dans un EHPAD allemand à Alzenau de 201 places et dans un hospice à côté spécialisé dans la prise en charge de la fin de vie, qui est vraiment un modèle vraiment intéressant. Donc on proposait d'aider l'association donc Senioren für der Verein, parce qu'elle agit pour les, notamment, pas que, notamment pour les seniors qui ont peu de moyens, qui ont des difficultés financières, afin de les aider matériellement, parfois pour des paiements de factures, mais parfois pour des achats d'équipements, et donc de proposer une subvention exceptionnelle de 1 000 euros. Vous voyez bien que sournoisement, il fallait aussi se mettre un peu à la hauteur de ce qui a été fait l'année dernière, sans surenchérir, parce qu'après on n'en finit plus.
Mais voilà, 1 000 euros, c'est bien, quand même, je trouve. Hein, c'est quand même une somme importante hein, qui permet de faire des choses. D'ailleurs, la présidente de l'association, Madame Schön, qui porte bien son nom, hein, d'ailleurs, ça, on peut le dire. Alors, pas physiquement, enfin, physiquement, si, si on veut, mais surtout de cœur. Voilà, était très émue et très heureuse de surprise de ce don. Voilà, donc on ambitionne de renforcer encore le jumelage. C'est extrêmement important, cette amitié franco-allemande et cette amitié entre Thaon-les-Vosges et Alzenau. Il faut la faire fructifier encore. Mais l'ordre du jour, c'est vous demander d'autoriser une subvention exceptionnelle à cette association. Le receveur fera peut-être des gros yeux quand il verra le titre passé, le mandat passé, pardon. Donc c'est Seigneur von der Verein, donc présidé par Laura Schön pour les personnes en difficulté en Allemagne. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques sur cette proposition? Donc qui est contre, qui s'abstient? Je vous remercie. Je vous propose d'aller assez vite sur la réunion de l'Assemblée Générale sur la répartition du capital social de la société SPL XDMAT, c'est des choses qui nous dépassent un petit peu, hein, pour être tout à fait franc. SPL XDMAT, c'est des dématérialisations, le public au service du public, les collectivités actionnaires, adhérentes, et puis tous les services de DMAT proposés aujourd'hui à de nombreuses collectivités. Il y a 3184 actionnaires, vous imaginez le bazar. Donc, moi, ce que je vais vous proposer, hein, en dehors de tout le laïus qui était proposé dans la synthèse, c'est d'approuver la nouvelle répartition du capital social de la SPL. L'Aube à 51,09%. L'Aube veut rester majoritaire parce qu'elle a l'origine avec un monsieur Ricard qui est un génie. Ce mec est génial. Je l'avais rencontré d'ailleurs à l'époque où j'étais directeur des finances. On était un des premiers départements censés avec eux. Donc, le capital social de la société... pourrait être à 51,09% pour l'Aube, à 5,47% pour l'Aisne, à 2,2% pour les Ardennes, à 4,39% pour la Marne, à 2,09% pour la Haute-Marne, 2,66% pour la Meurthe-et-Moselle, 4% pour la Meuse, 2,86% pour les Vosges, les communes et les groupements de communes qui représentent à elles ensemble 25,24% du capital social. Voilà. Donc, je vous demande aussi que vous me donniez pouvoir pour voter cette nouvelle répartition lors de la prochaine AG du 28 juin 2023, laquelle je ne serai pas, mais ça ne fait pas de mystère, à mon avis, pour grand monde. Voilà, donc, est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Non, mais aux voix qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Je vais vous proposer d'aller assez vite sur le projet de territoire. Hein, c'est la délibération. Je propose une délibération, hein, par contre, sur ce sujet, qui me semble important, puisque on est à peu près à mi-mandat, et je crois que toutes les actions que nous prenons, je pense qu'intuitivement et par bon sens, on les prend pour le long terme. Mais c'est quand même toujours mieux quand on a un plan, un guide, des axes, des objectifs, et qu'on les évalue pour voir si on ne fait pas fausse route. Moi, j'ai quand même été étonné qu'il y ait plein de gens qui s'étouffent de honte ou de désespoir en regardant l'article qui est paru sur, vous savez, les données de l'INSEE, là, en disant que les Vosges peuvent perdre, je ne sais plus, 100 000 habitants. Qui est surpris par ça? Bon, on n'arrête pas, on se tue à le dire. Pendant la campagne municipale, on se dit, si à Thaon on ne fait rien, dans 30 ans, on sera 5 000. C'est un truc que je disais régulièrement avec Emeray. Hein, on se dit, si à Thaon on ne fait rien, mais dans 20 ans, mais oui, on sera 5 000. Parce que si on n'est pas attentif, et même en étant attentif aux choses, ben, peut-être que ça peut arriver, mais si on n'est pas attentif, là, on est sûr que ça arrivera. Donc, le projet de territoire, il ne résoudra pas tout. Il y a plein de circonstances exogènes qu'on ne maîtrise pas. Il y a des entreprises, à Thaon-les-Vosges, aux gouvernances américaines, c'est pas même, ni même le président de la République qui va leur dire, bah, vous restez, hein, on le sait bien. Donc, toutes ces choses-là, on ne les maîtrise pas. Donc, essayons de travailler sur ce qu'on peut maîtriser, sur l'environnement favorable qu'on peut mettre en place sur la ville de Thaon-les-Vosges jusque 2040. Ville tonique avec un grand T, ça, je pense que c'est une identité sans flagornerie qu'on peut affirmer. Une déclinaison, mais pas que, du projet de territoire de la communauté d'agglomération d'Épinal, qui jusque 2030 a un projet de territoire qui tient la route, mais qui est pas très très, qui va pas dans le concret parce qu'il ne le peut pas. Donc nous, on propose effectivement d'aller dans le concret.
dans un contexte de réchauffement climatique, de désertification des départements ruraux. Ça, je l'avais mis avant qu'il y ait le truc de l'INSEE, le vieillissement de la population qui va engendrer cette perte de population, les déserts médicaux, l'exil des jeunes, la métropolisation. On est touché de plein fouet par ça. Donc c'est pas la peine de dire « tant, tout va bien, il y a tout ». Non, c'est pas vrai. On va être touché aussi par ça, de manière brutale. Et donc, il faut réagir et essayer de faire le maximum. Donc, on a un potentiel, on le sait, au sein de la communauté d'agglomération d'Épinal. Notre position entre Épinal et Nancy, pour nous, c'est une bénédiction, on le sait. Mais il ne s'agit pas juste d'attendre et de rester au bord de la RN 57, que tout veuille bien se décanter par l'opération du Saint-Esprit. Donc, le projet de territoire, ça doit être un programme d'action locale. On a décidé d'entreprendre cela de manière vigoureuse, dans un temps de travail assez limité, avec l'appui d'Emma Zabé, qui est ici présente, d'ailleurs dont je veux saluer le travail, hein, parce que sans elle, nous n'aurions pas réussi à mettre tout cela, en tout cas pas aussi efficacement et rapidement, en épingle, si je puis dire. Et puis, remercier bien sûr aussi les élus, certains élus se sont particulièrement investis sur ce travail. Le conseil de développement qui aussi en partie s'est impliqué dans ce travail. Nous avons envoyé un questionnaire aux Taonnais qui ont répondu à plus de 200 pour donner leur point de vue et déterminer ce qui leur semblait plus ou moins important. Et donc ça a conforté un certain nombre d'hypothèses. Et puis, on a réuni récemment les partenaires, État, région, département, Comdaglo, agence de l'eau, etc., etc. Ils étaient quasiment tous là. Donc, j'étais surpris, je dis ça va intéresser personne. Ben, ils étaient tous présents en nous disant l'importance. Alors, c'est bien votre document, bon, ça c'est bien. Mais en disant, ben, voilà, on a une visibilité sur ce que vous voulez faire à Thaon-les-Vosges. Quand vous irez sur des actions concrètes, ben, nous, on aura plus facile à identifier. Ça sera important parce qu'on a une lisibilité sur ce que vous voulez faire. Et plus encore, comme Elisabeth Delgeny, par exemple, nous a dit, soyez peut-être vigilants à inscrire ce truc-là dans tel document. C'est ça l'enjeu. C'est pas de faire un truc joli, c'est que ça nous permette d'entrer dans des projets départementaux, bon, régionaux, oui, nationaux, oui, pour être aidés du mieux possible sur tous ces sujets essentiels. Et puis, il fallait aussi qu'il nous confirme qu'on était dans le vrai. On a regardé quand même avec Emma et avec les élus tous les documents, le SCOT, le SRADET, le SR2I, mais aussi la loi climat-résilience, enfin, tous ces sujets aujourd'hui indispensables, réglementaires, législatifs, qu'il fallait regarder pour que notre truc ne soit pas à côté de la plaque en disant, par exemple, on va construire plein de baraques partout. Ça, c'est plus possible, quoi, je veux dire, c'est plus possible. Et ça ne nous sera de toute façon pas permis. Donc, c'est pas la peine de s'engouffrer dans des trucs qui sont à côté de la plaque. Voilà donc tout ce que je voulais dire. Peut-être quelques éléments à présenter, non, Emma? Non. S'il y a des questions, peut-être, des éléments. Moi, je voulais quand même saluer le travail qui a été fait, qui nous a permis de cheminer vers des différents axes et qui me semble important. Et surtout, indiquer qu'en un, on n'a pas voulu forcément suivre la doxa aujourd'hui qui s'impose à tous, c'est la transition écologique en 1-1-1-1-1-1-1. Pourquoi ? Parce que franchement, sur la transition écologique, il y a plein de choses qu'on va faire. On se lance dans le réseau de chaleur urbain, toutes nos routes, à chaque fois on renvoie l'eau à la parcelle, etc. etc. Je pense que... Mais nos impacts à nous, la transition de nos bâtiments, l'isolation de nos bâtiments. Sur l'école de Bouxières, on a fait une CAO ce matin, on a décidé d'attribuer à un architecte, on cherchera à faire 60% d'économie d'énergie, de protéger l'établissement contre les fortes chaleurs, etc. Mais il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que nous allons subir. Hein. J'aime bien le dire. Donc nous, il va falloir adapter le territoire à cela du mieux possible. Mais on a décidé de mettre en priorité numéro 1, et c'est ce qui est proposé notamment ce soir, le développement économique. Le développement économique. Si on oublie ça à Thaon-les-Vosges, on va se fourvoyer. Alors je sais très bien que ça ne va pas faire plaisir à plein de bobos qui auraient aimé qu'on mette du verre partout. Il faut quand même, à un moment donné, ne pas se tromper d'enjeu. Et certes, la commune, elle n'a plus la compétence économique, mais elle peut mettre en place les conditions favorables, l'environnement favorable pour qu'il y ait un développement économique qui se poursuive à Thaon-les-Vosges. Et notamment, deux sujets essentiels, les avios
mais aussi la zone Innova 3000. Parce que, et on l'a expliqué très vertement, pas ouvertement, hein, vertement, à tous les industriels qui étaient présents de la zone Innova 3000 lors de l'Assemblée générale du GIAT vendredi dernier, que si on mettait en place une association juste pour embêter l'agglo et la ville, en disant il faut faire la route, il faut faire la signalétique, on mourra guéri. Hein. On aura des belles routes, des belles signalétiques, mais on n'aura pas vu les enjeux ensemble qu'il faut voir. Les vrais enjeux sur la zone Innova 3000, c'est que quand il y a une boîte qui fermera, une boîte qui sera en difficulté, c'est qu'on aurait été ensemble suffisamment solide, lisible et solidaire pour que, bah, par exemple, le projet industrie verte pondu par le gouvernement, bah, c'est qu'on puisse y aller dedans, parce qu'il y a un groupement d'employeurs qui est dans la dynamique. Que sur rebond industriel, si le jour, je ne le souhaite pas, mais si on a des grosses entreprises automobiles qui ont des difficultés, bah, c'est qu'on soit prêt dans les starting blocks pour accueillir telle et telle initiative, et pas simplement dire qu'il faut refaire la route. Eh bien, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à stimuler plus fort sur le territoire. C'est le rôle de l'agglo, c'est mon rôle dans l'agglo, bien sûr, en étant en VP éco, mais c'est le rôle du territoire dans son intégralité. Et puis, donc, et la zone Innova 3000, bah, dès qu'il y a une boîte qui va fermer, même une petite, bah, c'est qu'on soit dans des logiques de recyclage foncier, qu'on ait tout de suite la stratégie pour qu'il y ait quelqu'un, pour pas que ce machin-là devienne une friche. Parce que, pour être tout à fait honnête aujourd'hui, il n'y a pas d'âme dans la zone Innova 3000. Il n'y a pas d'âme. Il y a des boîtes superposées, juxtaposées, qui s'ajoutent les unes aux autres, mais il n'y a pas l'âme. Il n'y a pas encore suffisamment un esprit Innova 3000. On va essayer de l'insuffler, parce que l'agglo va mettre un agent à disposition, et la ville va mettre une partie d'agents à disposition pour accompagner les entrepreneurs dans toutes les actions de visibilité, de que sais-je encore, mais aussi l'accompagnement à des appels à projets pour que on marque enfin le territoire. Il faut passer vraiment à un nouveau stade. Et ça, bah oui, c'est en un dans le projet de territoire, parce que sans cela, ben, la BTT, on aura beau raser les friches, en tout ou partie, si on n'anticipe pas, si on n'est pas un peu en ébullition intellectuelle et collective surtout, ben, on subira toujours, quoi. Puis on attendra que Raymond Barre se réveille pour poser telle et telle entreprise ici et là. Ça, c'est pas possible, on peut pas travailler comme ça. Et puis, l'esprit entrepreneurial, essayer de développer le sens de l'entreprise dans nos territoires, l'accompagnement des personnes en insertion, etc., etc. C'est vraiment le développement économique, le développement de l'emploi, des formations, de l'alternance, etc., qui est pour nous le point cardinal supérieure, d'une importance vitale pour Thaon-les-Vosges, dont c'est l'ADN depuis 1870. Si on se trompe, ben on est mort. Voilà. Et ça ne veut pas dire que c'est parce qu'on ne se trompe pas qu'on potentiellement un jour on ne sera pas menacé. Hein. Donc il faut juste bien travailler dans ce sens-là, c'est important. Bon, après, évidemment, je vais être très court, mais sur le cadre de vie, la reconstruction du centre-ville, le fait de densifier le centre-ville, d'y amener plus de services, de faire en sorte que les commerces, on a déjà fait un certain nombre de choix quand même déjà aujourd'hui, et on continuera que la densité commerciale soit sur le cœur de ville de Thaon-les-Vosges. Ben, en achetant le 103 rue d'Alsace pour reconfigurer notre centre-ville, on est en plein dedans, etc., etc. Je ne vais pas faire la liste. Et puis bien sûr vient les logements. Là, avec l'ORT, avec l'état d'abandon manifeste, on va commencer à mordre hein, ceux qui ne font rien. Bon, il y a deux, trois trucs qui sont intéressants avec les ravalements de façade. On commence à voir que ça se bouge un peu ici et là. Il faut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus loin. Sur le transport, là, on est dans la bonne dynamique. Là, voilà. Là, on peut dire qu'on est sur le bon rythme. Mobilité douce, mobilité collective. Là, Thaon, voilà, c'est pas le truc totalement enclavé. On a toutes les solutions aujourd'hui de mobilité qu'on développera encore. Il y a de nouvelles mobilités qui vont venir. À la personne, notamment pour les personnes qui ont des difficultés sur le plan médical, les réseaux solidaires également de transport pour les personnes qui n'ont pas le moyen de passer le permis ou d'avoir une bagnole. Mais bon, je pense qu'il faut vraiment continuer sur la dynamique en cours. Et puis l'environnement, la transition écologique, c'est très important, mais on le met au bon niveau avec le fait de favoriser l'implantation d'unités permettant l'autonomie énergétique de la ville, en tous les cas à peu près. Et puis d'adapter la ville, hein, bien sûr, pour qu'elle puisse passer le cap des moments où il fera très très chaud.
Et notamment ben, la végétalisation du centre-ville, etc., etc., le réseau de chaleur urbain, j'en passe, et des meilleurs. Et puis, ben, on l'a ajouté, on le voit dans très peu de projets de territoire, la vie quotidienne à Taon, la vie familiale et conviviale, c'est un point fort à Taon-les-Vosges, la vie associative, les services, cette petite ville, cette petite bourgade où on finalement, effectivement, on trouve de tout, tout le temps, en tous les cas, quasiment tout et quasiment tout le temps, eh bien, faisons faire une force, une identité, pour attirer les couples qui en ont marre de ces grandes villes ou qui, à l'inverse, malheureusement, ne voudront pas rester dans les villages qui vont se désertifier. C'est une certitude. On peut dire ce qu'on veut, gesticuler. Malheureusement, c'est une certitude. Nos villes moyennes doivent être prêtes. Nos petites villes doivent être prêtes pour justement être celles qu'on va choisir pour s'installer. Donc ce projet de territoire, on va le faire connaître très largement à tous nos partenaires. On va le faire connaître aussi... Alors, on va pas déambuler à Nancy, puis dans le dos du maire de Nancy, distribuer des flyers de Taon. Mais on va trouver les moyens adaptés de faire connaître quand même cette stratégie. L'important, c'est quand même aussi que nous avons mis en place de ces quatre axes, des objectifs, des exemples de plans d'action. On les révisera tous les ans dans l'exigence qui est la nôtre. Vous avez vu le PAV, le plan des mobilités, le plan pluriannuel d'investissement, etc. On en reparle souvent pour dire on a décidé de faire ça. Et surtout, on a fait ça. Ce n'est pas de la parlotte ici, j'y tiens. C'est que de regarder ce qu'on a fait et ce qui reste à faire. Évidemment, il restera toujours plein de choses à faire. Évidemment, on n'atteindra jamais tous les objectifs qu'on s'assigne. Mais par cette philosophie, par ces actes que nous prenons, ben je pense qu'on essaye de s'assurer de suivre une trajectoire. Et globalement, c'est quand même ce qui nous manquait cruellement depuis très longtemps. Donc avec un projet de territoire, avec un PEDT, avec un PPI, avec un plan des mobilités, avec un PAV, avec un ADAP, etc., 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 avec un plan bâtimentaire, je crois qu'enfin on va réussir, même si c'est long, fastidieux, difficile, fatigant, on va réussir, nous, à être lisibles pour notre population, pour nos partenaires, et puis pour un avenir qu'on doit construire pour éviter que Taon-les-Vosges, globalement, subisse de plein fouet cet exode de la jeunesse aussi qui est difficile. Alors, ce n'est pas grave qu'un certain nombre de jeunes s'en aillent, tant mieux, hein, on n'a pas toutes les filières ici, ce n'est pas grave. Mais comment, en dehors de cela, on s'adapte, comment on fait pour attirer d'autres profils, comment on fait en sorte de développer les filières présentes sur le territoire, avec l'UMM, avec d'autres peut-être demain. Ce sont ça nos enjeux. Voilà. Et si on se trompe, si on ne les regarde pas en face... Ben, ça risque de faire mal parce que de toute façon, ça sera difficile. Rien n'est facile, tout est possible, mais ça sera vraiment, vraiment pas facile. Il faut être tout simplement objectif et pragmatique. Voilà ce que je voulais vous dire très rapidement pour ne pas le rebalayer, mais ça me semble important qu'on le vote, qu'on l'adopte. Il sera donc un document officiel que nous serons tenus de suivre, d'adapter et d'amender si besoin est. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions, des précisions que vous voulez faire sur ce projet de territoire, éventuellement ? Non ? Moi, je voulais remercier, évidemment, à tous ceux et celles qui ont participé. Puis, évidemment, un clin d'œil pour Emma, particulièrement, parce que on s'est tous, bien sûr, beaucoup impliqués là-dedans. Mais Emma, voilà, jeune femme du territoire, nocurcienne. C'est en même temps, je trouve, un beau clin d'œil... me semble-t-il, à cette démarche, même si elle ne restera pas à Taon-les-Vosges, Emma, et qu'elle travaillera très prochainement pour le PETR de Remiremont et ses vallées, c'est comme ça qu'il s'appelle, je crois, non ? En qualité notamment d'agent de développement sur les programmes leaders. Donc c'est super, voilà, mais ça, apparemment, ça a pu jouer dans le recrutement, cette expérience chez nous. Donc tant mieux, bon vent, merci. Est-ce qu'il y a... Non, pas... Donc je vais mettre ce rapport aux voix s'il n'y a pas de questions. Ouais. Non, c'est bon. Très bien. Qui est contre le projet de développement ? Projet de territoire ? Non ? Eh bien voilà, très bien. Pas d'abstention. Il est adopté, merci. Sur les affaires diverses, quelques informations rapides que je souhaitais vous donner. 4. Le projet de loi industrie verte, vous voyez, c'est en cohérence avec ce qu'on vient de dire, je n'ai pas fait exprès, ce serait un peu cynique. Je veux faire un retour rapide sur la réunion publique que nous avons tenue pour la zone des avios. Ça me semble très important de vous donner les informations
précise, puisqu'il y a des questions, bien sûr, qui se posent. Et puis, en troisième lieu, très rapide, la mise en place d'unités d'enseignement à destination des enfants polyhandicapés à l'école de Goypré. Sur le projet de loi Industrie verte, on a coécrit récemment, donc, Michel Henrich et moi-même, donc au ministre délégué de l'Industrie, qui n'est d'autre que Roland Lescure, que j'avais rencontré lorsque j'étais allé à la remise de l'Office de l'Ordre national du mérite à Fanny Feller, hein, qui est la directrice générale de l'UMM. Et donc on a coécrit un courrier en disant donc on est content, il y a un projet de loi Industrie verte que le gouvernement va porter avec des mesures phares, diminution envisagée de 18% des gaz à effet de serre dans le milieu industriel. 50 sites clés en main recherchés par l'État pour dépolluer les friches industrielles, nous voyez venir. Hein. Et donc, nous avons décidé, avec Michel Henrich, d'écrire au ministre de l'Industrie pour demander que le site des Avios soit celui au sein de la communauté d'agglomération d'Épinal qui fasse éventuellement partie des sites identifié dans le cadre du projet de loi pour les 50 sites. Donc c'est quand même plutôt bien. Ça ne veut pas dire que c'est fait. Hein. C'est dire qu'on a demandé. Déjà bien, hein, parce que quand on ne demande rien, on est sûr de rien avoir. Donc je tiens à vraiment remercier le président Henrich, parce que je pense que la co-association Ville-Aglo peut donner du poids à la mesure. Ensuite, voilà, très vite, donc, très rapidement, sur la réunion publique du 25 mai dernier, et plus encore donc, de ce qui se passe sur les avios, en 3 minutes chrono, nous avons décidé d'attaquer de front ce projet de requalification de l'ensemble du site. Mais pour le faire, il faut être propriétaire du site. Nous ne le sommes qu'en, peut-être à 1% des trucs qui traînent à droite à gauche. Donc nous voulons être propriétaires, potentiellement, peut-être, pas sûr, de tout le site. Mais si on veut être propriétaire de tout le site, ben, il faut acheter à tout le monde. Et évidemment, compte tenu de la complexité du dossier, nous n'avons pas décidé d'engager en gré à gré avec les 30 et quelques propriétaires la démarche amiable de front. Impossible. Donc pour faciliter les discussions amiables, nous avons décidé avec l'agglomération d'Épinal qui va porter la maîtrise d'ouvrage du sujet avec 7 millions d'euros débloqués avec l'EPF sur ce sujet. Nous avons donc décidé de lancer avec l'EPF une phase administrative qui commence en ce moment avec donc un travail de dossier qui va être déposé au préfet, qui va être instruit par le préfet, qui va mettre en place une enquête publique et qui va donc demander à un commissaire enquêteur qui va venir en septembre rencontrer tout le monde et qui sera à l'écoute de tout le monde, qui va rendre un rapport qu'on devra passer, bien sûr, qui permettra à la préfète de prendre un arrêté de DUP, déclaration d'utilité publique, sur tout un périmètre qui englobe tout le monde, sans exception. Pourquoi on a décidé de faire ça? Ben imaginez, on a sorti Annette et Visquez, parce que ça nous semblait quand même tellement gros, tellement important, est tellement faisant sens avec la destinée économique du site qu'il aurait été sans doute grotesque de, à un moment donné, de faire peser une menace d'expropriation. Ça n'a pas de sens. On ne veut pas. On est sûr qu'on ne veut pas les récupérer. On est sûr qu'on veut les voir rester là. Comme ça, moi, c'est clair. Le discours industriel, ben, projet de territoire, et voilà, on est logique encore une fois. Et là, donc en décembre, janvier, on verra bien. La préfète pourra prendre donc un arrêté de DUP qui vaudra cessibilité potentielle de toutes les parcelles. Nous avons aussi décidé, avec le président de l'Aglo, de ne pas attendre la fin de la phase administrative pour lancer la phase judiciaire, pour gagner du temps, avec un risque que j'exposerai pas ici, mais pour les intérêts de la ville, donc, et de l'Aglo, et de la procédure. La phase judiciaire va donc débuter très bientôt, dans quelques semaines, où là, donc, on a l'avocat de l'EPF Grand Est qui va rencontrer toutes les parties, faire des offres officielles qui seront celles donc, de l'estimation des domaines, auxquelles on ajoutera 10 à 15% parce que ça fait partie du mode de portage de l'EPF dans ces procédures d'expropriation. Mais on ne parle pas d'expropriation, on parle d'offres. Offres. Le juge, ensuite, mène audience, il y a un transport auprès du juge
de ces offres, si elles sont concluantes. Si elles ne sont pas concluantes, nous transportons, c'est le terme juridique, ces offres auprès du juge. Le juge, lui, mène des audiences, regarde, visite, ça vaut ça, ça vaut ça, ça vaut ça. Et puis, eh ben, ça donne un jugement d'indemnité. Sauf que le jugement d'indemnité interviendra après l'arrêté de DUP de la préfète. J'en dis pas plus à ce stade-là, ce que je peux juste dire. Et l'ordonnance d'expropriation après le jugement d'indemnité. L'objectif, c'est qu'en 2025, alors eh bien, on va être attaqué de toutes parts. Il y a des avocats qui m'appellent en me disant « ça y est, on vous attaque ». Je dis « mais on est difficile de nous attaquer, on n'a même pas commencé officiellement la procédure ». Moi, j'attends qu'on nous attaque et on se défendra. On sait pourquoi on le fait aussi, ce projet-là. Il est évident que nous pourrons éventuellement sortir un certain nombre de parcelles qui sont aujourd'hui dans le périmètre que nous attendons de cessibilité parce qu'on considère que ça peut s'intégrer au projet final. Mais si on s'était amusé à enlever, à faire du contour... Il y avait deux problèmes particuliers. Ça rendait pour moi attaquable la DUP. Je ne veux pas que la DUP soit... Si elle est attaquée, elle sera attaquée. Je ne veux pas que la DUP elle tombe parce qu'on aurait été des ploucs à dire on fait une parcelle qui enlève, bah, qui enlève nos copains, qui enlève les copains des copains, etc., etc. Pour pouvoir avoir la liberté ensuite de se dire oui, le projet qu'on veut finalement permettra peut-être de faire en sorte qu'un tel, un tel, un tel, finalement... ne soit pas exproprié et puisse demeurer à cet endroit parce que c'est compatible avec le projet. Mais j'ajoute, et c'est le deuxième élément, et il faut bien le comprendre, que compte tenu des projets qu'on veut mener, si quelqu'un dit aujourd'hui je veux rester, mais demain veut partir, pourquoi ? Bah parce qu'il y a une grosse boîte qui s'installe juste au droit de sa propriété, bah qu'il ait la possibilité de partir avec une mesure protectrice qui est celle bah, d'une valeur estimé par les domaines, augmenté d'un forfait d'au moins 10 à 15% qui permet de ne pas acheter le truc à 3 francs 6 sous. Donc mesure protectrice aussi pour les propriétaires. Mais ça, ben, pas toujours facile à comprendre, déjà d'une part, et pas forcément toujours facile à accepter. Mais ça donnera la possibilité de discuter, ça va donner la possibilité de négocier et d'assurer les intérêts et du projet et des propriétaires. Voilà ce qu'on a aussi fait, ça fait de longs mois. Donc, vous voyez, ça éclot, hein, ça demande beaucoup de temps, tout ça. Il a fallu, je l'ai mis dans l'édito hein, du bulletin municipal, vous avez tout le boulot qu'il a fallu faire pour en arriver là, mais je souhaitais quand même le préciser, parce que on a invité des gens à la réunion publique, alors mystérieusement, il y en a plein qui n'ont pas reçu de courrier, bon, je veux bien le croire, hein. Et puis des questions qui se sont posées, elles sont légitimes, nous y répondrons, et puis nous continuerons et nous informerons bien sûr les propriétaires et les locataires sur la zone de ce que nous pourrons faire, de ce que nous ne pourrons pas faire. Mais vous imaginez bien qu'on ne pouvait pas sortir du périmètre un tel et un tel pour X ou Y raison, puisque eh bien, il y a une incertitude sur le projet, il y a une incertitude même que les propriétaires aient envie de rester. Et il y a même un truc totalement loufoque que je n'avais pas anticipé, c'est-à-dire qu'on pensait qu'il y a un certain nombre de propriétaires qui voudraient rester. Mais en fait, il se peut que parfois, notamment il y a un artisan qui est là-bas qui m'a appelé, il me dit ben, « moi, je veux rester en tant que locataire, mais j'ai peur que mon propriétaire veuille vendre. Et s'il veut vendre, ben, moi, qu'est-ce que je fais ?» Donc il y a tout ça à gérer, vous voyez. Il y a plein d'effets dominos, en fait, à un projet intéressant, passionnant, technique, complexe, qui méritait, à mon avis, un éclaircissement auprès des élus, parce qu'il faut que vous soyez au courant de ce qui se passe et puis que vous puissiez répondre ou au moins avoir des éléments assez globaux pour répondre aux habitants qui, légitimement, s'inquiètent de cette procédure. Et puis, voilà, il y a plutôt une bonne nouvelle. On avait candidaté à la fin de 2022 sur un appel à manifestation d'intérêt lancé par APF France Handicap. On n'avait pas été retenu. C'est les communes de Saint-Dizier, Colmar et Saint-Avold qui avaient été retenues pour en fait prévoir dans des écoles classique, l'installation d'unités permettant des enfants polyhandicapés d'étudier dans la même enceinte.
L'idée, vous l'avez bien compris, c'est d'améliorer l'inclusion des personnes handicapées. Donc avec notamment Dominique Marqueur, on l'avait vu aussi à l'époque avec Thierry Bisson, avec les services, la directrice de GoIPRE, etc., etc., avec plein de monde en fait. On avait regardé cela, on voulait candidater. On n'avait pas été retenu et nous sommes finalement retenus parce que l'ARS a trouvé des crédits. Et donc nous serons, je l'espère, en tous les cas pour l'instant, rien ne s'y oppose, en mesure d'accueillir une dizaine d'enfants à la rentrée donc de 2023, dès 2023, dans les locaux de GoIPRE, dans des locaux adaptés, pour permettre cet accueil. C'est important également de permettre l'inclusion de toutes et tous. Ça ne veut pas dire que ça va être facile non plus, hein, parce que ce sont des publics quand même lourdement handicapés, hein, et donc il y a le travail sur le regard, il y a le travail sur les activités en commun. Il ne faut pas simplement que ce soit des enfants qu'on met au milieu de la cour en disant, ben voilà, c'est des gamins handicapés, voilà, ils sont à côté. Il y a un travail. Il y a un projet d'établissement qui doit se mettre en place autour de ça, des activités communes qui doivent également être générées. Mais il faut y aller mollo pour pas non plus que ça se retourne contre nous et puis surtout contre les publics qui sont concernés. Mais on est très, très volontaire. APF France Handicap est très volontaire. L'Éducation nationale aussi. L'école aussi. Nous aussi. Donc tout le monde est en rang resserré. Et on espère pouvoir l'ouvrir effectivement en septembre 2023. Moi, je voulais le dire, je pense que c'est une annonce assez importante et puis pour laquelle je pense que vous n'aviez pas forcément la formation à ce jour. Et voilà, en dehors de ça, je ne vous propose pas de faire un catalogue plus long de l'actualité, ça durerait trop longtemps. Mais si vous avez des questions sur ce qui a été dit, si vous avez des demandes de précision, vous savez d'autres informations qui vous semblent importantes à communiquer ou des questions diverses, ben, je vous propose d'y répondre. Simplement, ou de distribuer la parole. Simplement, n'oubliez pas voilà, de rester pour bien signer l'ensemble des documents hein, qu'on a ratifiés avant la fin du conseil municipal. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Oui, Dominique. Oui, un complément par rapport à la cérémonie du 18 juin. Donc, puisque quatre jeunes de Thaon-les-Vosges et Girmont ont terminé avec succès leur formation à la préparation militaire marine. Donc ils seront mis à l'honneur dimanche matin lors de la cérémonie. Ils seront accompagnés donc par le capitaine de corvette Valentini qui prendra en tant que commandant avec troupe la tête du cérémonial de cette commémoration. Et ça sera l'occasion de voir un bel exemple de civisme et d'engagement de la part de jeunes dans ce domaine. Tu fais bien de le dire, 18 jours. On a compacté un certain nombre de manifestations, mais pas celle du 18 juin. L'appel du général de Gaulle, c'est quand même pas le truc anodin dans notre histoire récente. Donc on invite évidemment hein, les élus en premier lieu, bien sûr, et puis tous les autres, bien sûr, les associations, les habitants, etc., à être présents pour commémorer cet appel. Je pense qu'il fallait en avoir quand même à l'époque pour. Parce que c'est facile toujours hein, de juger l'histoire, mais c'est quand même une démarche qui est quand même sort du commun et qui mérite d'être honorée. Donc on va essayer de faire effectivement une belle cérémonie en l'honneur du général de Gaulle. Le président de l'agglom a signifié d'ailleurs sa présence tout à l'heure, donc c'est bien. Fédérons-nous autour de ces moments de rassemblement. Je tiens à dire aussi d'ailleurs hein, que évidemment, hein, s'agissant du pilotage du protocole des cérémonies patriotiques, je n'ai pu que prendre compte de ce qui s'est passé lors du 8 mai, qui m'a semblé intolérable, et j'ai donc produit un courrier personnel à l'intéressé pour lui indiquer ce que je pensais, les décisions que j'avais prises. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole, d'autres questions? Non, très bien. Mais écoutez, merci. Je vous souhaite une bonne soirée. Est-ce qu'on avait la date du prochain conseil municipal? 13 septembre, 19h. Réservez donc d'ores et déjà cette date, s'il vous plaît. Merci à toutes et à tous. Bonne soirée.